bonsoir tout le monde. Donc ce soir, eh bien, nous sommes en début de week-end d'Halloween et pour l'occasion, nous retournons à West Hill pour une nouvelle partie de Monster of the Week. Après une première partie faite en avril, une autre en juillet, nous revoilà avec l'équipe au complet. Nous allons donc jouer dans une petite ville fictive de l'Iowa avec nos quatre aventuriers lycéens. Notre aventure se passe en 2005 et nous allons jouer avec un système en 2D6. Donc, pour faire un rappel rapide des règles, les joueurs et joueuses ont des compétences en commun telles que enquêter sur un mystère ou casser la gueule. Et chacun, en fonction de leur archétype de personnage, des compétences spécifiques. Pour faire des compétences, c'est facile, ils lancent 2d6, ils ajoutent un bonus éventuel qu'ils ont sur leur personnage. Sur 10 ou plus, c'est un échec. C'est une... Non, absolument pas, c'est une réussite, totale. J'ai tellement envie de vous voir échouer que je commence direct. Entre 7 et 9, c'est une réussite partielle, ou un petit grain de sable va peut-être se glisser. Et à 6 ou moins, vous ratez. Mais dans Monster of the Week, quand vous ratez, vous pouvez prendre du galon. Vous cochez un point sur votre fiche de personnage. Et quand vous aurez 5 points, vous aurez possibilité de choisir une amélioration pour votre personnage. Ça, c'est les grands éléments du système. Des petits points en plus, vous avez des points de chance. Ces points de chance, ils vous permettent plusieurs choses. Ils vous permettent de changer le résultat d'un dé pour un 12, donc d'en faire une réussite totale, de diminuer une blessure à 0, et malheureusement, quand la chance se termine, ce n'est pas juste une mécanique de jeu, ça va venir, si vous épuisez votre chance, interférer dans l'histoire, des petites choses vont se glisser dans la partie. Ouais, ça va être la poisse quoi, ça va être la merde. On rappelle que c'est un jeu qui est peu orienté combat, puisque vous avez seulement 7 points de vie. Et que du coup, nous allons plutôt être dans un mode enquête mystère pour Halloween. Oh my god. OMG. Sans plus tarder, donc, petit générique, et on va pouvoir démarrer. Générique. Et nous revoici. Et nous revoici. Nous voici donc le dimanche 30 octobre 2005. C'est une journée d'automne plutôt ensoleillée pour vous quatre. Et ça tombe bien parce que chaque dernier week-end d'octobre à West Hill, c'est l'Autumn Fair, donc la foire d'automne. Une foire qui est l'héritage d'un ancien rassemblement des tribus Dakota qui venaient dans la région. Une sorte de moment de recueillement spirituel et social en prévision des mois froids. S'installer en bordure de la forêt, mais aujourd'hui, clairement, le spirituel a un peu laissé sa place à la fête. Vous êtes donné rendez-vous pour profiter eh bien, des animations proposées par le lieu. Des animations un petit peu désuètes, mais néanmoins sympathiques. Vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, faire la course en sac, du tir à la carabine, tester votre force en frappant la malioche. À vous de voir ce qu'il en est, le tout en profitant de boissons trop sucrées, de plats trop gras, et peut-être même d'un petit concours de mangeurs de hot dog. Ah ouais. Ça c'est pour lycanthrope. C'est où? Moi, je vais peut-être aller m'entraîner au tir à la carabine, hein, je pense. Eh bien, vous entrez dans la fête, tous ensemble. Faut prendre un air d'américain cow-boy, là, avec... Tout à fait, c'est le terroir qui s'exprime. Non mais parce que moi, à la base, je viens d'Asie. Mais c'est pas grave. J'arrive en cheval.
Vous y êtes donc, donc imaginez, voilà, une fête, un rassemblement populaire entre la foire, le vide-grenier, le bazar local. Il y a une petite scène, effectivement, où vous entendez eh bien, des musiciens de country jouer un air entraînant pour en faire profiter tout le monde de cette belle journée. On n'est pas majeur. Et non, pas encore. Ouais, mais ça ne nous empêche pas d'utiliser des armes. Ah, ça, oui. USA Je pensais plutôt à des bières aux citrouilles ou des trucs du genre, mais... Voilà, t'es pour être majeur, fait 21 ans, faut plus être au lycée. Hein. Faudra de là, ouais, c'est ça. C'est ça. Bah, c'est, on peut avoir redoublé pas mal, hein, on n'est pas tous aussi intelligents que Gilet. Hein. Ouais, d'ailleurs, je suis peut-être le plus jeune, je sais pas pourquoi. Mais... Moi, j'ai sauté des classes. Allez, ça se met en avant. Oh là là, oui, il n'y aura pas plus de points. Vous pouvez donc commencer à arpenter les allées. Est-ce qu'il y a des loisirs que vous aimez, que vous recherchez? Voilà, oh les hot dogs. La compète de mangeurs de hot dogs, moi, j'y vais. Hein. Ah, je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud. Moi, je vais tailler des citrouilles, je sais pas s'il y a. J'ai une faim de loup. Effectivement, ouais, alors il y a la compète de hot dog. Pour l'instant, les inscriptions sont ouvertes, mais elle n'aura lieu qu'à 18h. On est déjà en courant d'après-midi. T'as le temps d'avoir faim. J'ai le temps d'avoir. C'est vrai. Il y a effectivement aussi de la sculpture de citrouille. C'est plutôt des enfants qui s'y affairent, mais c'est ouvert à. Bah, on est encore des enfants, du coup, on n'est pas majeurs. Tout à fait. C'est d'ailleurs animé par quelqu'un que vous connaissez, puisque c'est Kimi Mela Hope, qui est la serveuse du Liu Skin Café où vous avez vos habitudes, qui anime les lieux. J'irais bien à un stand de lancer de hachette. Ah, malheureusement, pas de lancer de hachette. Quel dommage. Mais ce sera tir à la carabine, si vous le souhaitez. Ouais, bah allez, je suis gilet à tir à la carabine, juste pour... Moi, je les accompagne aussi. C'est hein, super compétence. Après tout, hein, s'il y a pas de hot dog. Très bien. Lexi, est-ce que tu les accompagnes ou tu vas d'abord exprimer ton art Je sais pas. Est-ce que vaut mieux rester groupé et puis après vous m'accompagnez faire des trucs ou pas? Ouais, on aura le temps de faire le tir à la carabine, ça va pas nous prendre toute l'après-midi. Vous aurez on le temps. Les deux, allez. Effectivement. Eh bien, vous trouvez facilement, au bruit, l'emplacement du tir à la carabine, le petit ting, ting, ting caractéristique des plombs qui vont eh bien, percuter des petits bisons en métal qui se déplacent le long du stand. Avec un... Ah, c'est pas des vraies carabines. Non, on est aux États-Unis, mais on c'est reste 2005, à la carabine. Oh, moi, je voyais le ball trap. je voyais ça aussi. C'est pas le 19e non plus. Un homme... grand, très carré, avec une belle moustache grisonnante, vous accueille. Allons-y, les enfants, 5 bisons abattus et la peluche est pour vous. Testez votre visée, testez votre adresse. Peluche. Vous voyez effectivement des peluches suspendues. Ah, c'est quoi les peluches? C'est quoi les peluches? Eh bien, il y a des peluches en forme de toutes sortes d'animaux, effectivement, du bison au lapin, en passant par l'élan. Est-ce qu'il y a un loup? Il y a des loups, bien évidemment. Je prends la carabine direct. Moi, ça je me veux parle. Le lapin. Vous êtes, du coup, sur le stand. Il y a deux personnes qui sont déjà occupées, que vous reconnaissez, puisque, eh bien, Juliette, cette barmaid que vous connaissez, qui vous a un peu sauvé les miches lors de votre première aventure. Ah oui, c'est vrai. Qui est aussi au courant, on va dire, de l'autre face du monde, est là, en train de s'exercer. Elle est accompagnée de une personne que vous connaissez, une ancienne du lycée, l'ancienne capitaine des Pom-Pom Girls, est là aussi. Voilà, et elles ont l'air bien occupées, toutes les deux. Vous ne savez pas pourquoi, mais visiblement, elles se connaissent. Elles sont bien occupées, toutes les deux, à tirer à la carabine. Bon, bah moi je m'approche aussi, je paye du coup pour... Bah ouais. Tu payes pour nous, c'est pour gentil. Tirer à la carabine. Non, je paye pour moi. Wow, un petit peu de sous de côté, j'imagine. Argent de poche. Eh bien, tu vas pouvoir directement faire un petit jet pour voir tes talents. Alors, ça va être quoi comme...
eh bien, ce sera casser la gueule, même si tu ah ouais vises ah merde des petits, des petits bisons en métal, mais j'ai pas d'utilisation moyen de faire. D'armes. Je vois. Alors, ce sont des carabines à plomb. Elles ne sont pas forcément très puissantes. Alors, je vais ajuster le tir en tirant un mais peu plus tir tu parles comme ça, tu parles comme ça tout le temps, maintenant. Non, je vais pas faire ça tout le long. Disons que ce serait un peu excessif de dire que c'est évaluer une situation qui craint. Hein. On est quand ah, même merde. Juste sur du tir à la carabine. Ah, mais moi, je voulais utiliser du futé. Bon. Du coup, pour casser la gueule, c'est du coriace, c'est ça 2d6 plus coriace, tout à bon, fait. On a plus 0. Eh bah, 5 et 6, 11. Ouais, je suis nul en coriace, moi. Eh ben, c'est une belle réussite. Je suis fort bizarre. Tu vises, tu alignes, tu réfléchis. Et boum. Mais les 5 ? Et les 5 ! Allez. Le lapin, le lapin, le loup. Le loup. Le loup. Le lapin. Eh bien, mon garçon, c'est pas la première fois que t'as un calibre entre les mains, on dirait bien. Oh. Ça a l'air tellement... Attention. Non, bah j'ai un petit peu l'habitude de pratiquer. J'ai des idées mal placées. En solo, apparemment. Des idées mal placées. Tu non, vois, avec ma soeur, pourquoi oh. Effectivement, les. Tout le monde qui s'est arrêté, hein, quand même, parce que t'as. Tout le monde l'écoute. T'as vraiment pris le fusil et, genre, sans réfléchir, dans une magnifique série. Perfect. Est-ce que s'il a balé 5, il a 2 peluches ? Ah non, c'était une peluche pour les 5, je crois. Une peluche pour les 5. Il n'y a pas de deal pour en avoir 2. Ma petite jeune fille, là, je vous vois commencer à négocier. Les 5, une peluche, moins de 5, pas de peluche. Y a quoi d'autre comme peluche ? Y a pas un truc un petit peu monstrueux, bizarre dans le tas ? Non, écoutez, mon petit gars, on a une peluche de crapaud, un animal tout récemment protégé dans la région. Ah. Je vais attendre avant de choisir. Lexi, je te laisse tirer. Si t'arrives à avoir. C'était quoi, un lapin que tu voulais, toi ? Oui. Bon, bah, si t'arrives à avoir ton lapin, tu auras ton lapin et je prendrai le crapaud. Sinon, je prendrai ton lapin. Cool. Bien, Lexi, c'est à toi. Il faut casser la gueule. Casser la gueule. Casser la gueule. Merci, que j'ai la chance. C'est un peu fort comme musique, non ? Ah, mais je crois que je peux la régler. Ah, si, oui, chacun peut la régler. C'est quoi qu'il faut rajouter comme compétence ? Coriace. C'est du coriace. Coriace, c'est Toth. Parce qu'il est en anglais. Tout à fait. Toth. Submit. Ça marche pas. Si, ça oh. marche. Voilà, ça fait elle a tiré. 12. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Oh là là, kick some ass ! Touché. Eh bah, je pourrais avoir mon crapaud. Damn, putain, mais on va le dévaliser. Je sens que je veux pas y arriver. Mais... Bien voilà, à nouveau, une réussite parfaite. Quel team. Il est désabusé, le... Oh bah dis donc, eh. Vous faites la paire, vous deux. Qu'est-ce que vous voulez, du coup? Le lapin pour vous, lapin. Ma petite. Je crois qu'il y avait le lapin. Et voilà. Moi, je prendrais l'espèce protégée. Le crapaud, très bien. Allons-y. Et voilà, j'aime. Merci. Moi, je veux tirer. Allez, vas-y. Voilà, allons-y, mon garçon, allons-y. Vas-y. Attention quand même, restez bien face à la cible. Ah, merde. Je recule pas trop. C'est du métal, t'es toi. Je crois que je t'ai tiré dessus carrément, Basile. Il a carrément lancé les dés sur les bisons. J'ai fait un 1 et un 2. Mais avec mon malus, ça fait moins 1, donc ça refait 2. Je crois qu'il y a tout le monde qui... Lui, il a pas visé. Ah, ça a l'air facile. Tu peux cocher une case de prise de galon. Rappelons que dans Monster of the Week... Mais oui, c'est vrai. Je vais devenir meilleur, vous verrez. Mais effectivement, quand tu veux tirer... Ah, c'est l'enfer. J'ai perdu une peluche. Eh ben, tu tires pile entre les deux... Entre les bisons, et puis, du coup, il y a un petit clou un peu tordu derrière, et ça ricoche, et ça vient frôler le monsieur qui tient le stand. Oh là ! Oh là, oh là ! Je sais que j'ai pas du matériel de pointe, mais quand même, vous êtes bien le seul à avoir
failli m'en mettre une sans même être tourné si vers moi. Je ferai forcément moins pire. Bah, c'est sûr, hein. Mais attendez, la différence entre les bisons et vous, c'est quoi déjà? Ah, il y en a un qui a une moustache. Ah non, c'est un 7. Heureusement que vous me faites rire. Hein. Ça évitera que on vous interdise de jouer. Vous êtes dangereux quand vous vous amusez, mon garçon. Ouais, j'aime les jeux dangereux. Mais non, c'est surtout moi qui les rends. Disait qu'elle venait de faire un 7. Ouais, moi j'ai fait un 7. C'est nul, mais moins pire. Ah. Nul, mais moins pire. Et bah, du coup, tu réussiras à battre 3 bisons sur les 5. Malheureusement. Ce qui est bien, mais pas top. Ce qui est bien, mais pas top. En voyant... C'est pas très grave, je suis pas très forte en armure. Prochaine fois, peut-être, ma petite dame. En voyant ces résultats, eh bien, vous avez Juliette qui sourit un petit peu, qui fait... Bah, il y en a qui ont progressé parmi vous. Vous êtes peut-être plus à même de vous sortir de la situation la prochaine fois. De la situation ? Alors, on avait la situation parfaitement en main. Oui. D'ailleurs, puisque je vous ai sous la main, ce soir, on fait un petit événement au bar. Ah, les hot dogs ? Avec tous les gens. Ah, il y aura des hot dogs si tu veux, Lee. Allez là ! Tu crois que t'auras encore faim ? On prépare, en fait, donc dans les traditions de ma tribu. Donc, parce que pour rappel, Juliette est une native américaine. Le 31 au soir, on fait une cérémonie de purification dans laquelle on s'assure que les esprits puissent rester parmi les esprits et qu'ils nous laissent une année entière encore sans intervenir dans nos vies, du moins à moins qu'on ne les contacte. Du coup, ce soir, on a des petits préparatifs à faire. C'est rien de très compliqué. On a quelques fagots de plantes à brûler, à préparer. On a quelques peintures à faire. Voilà, on doit préparer des peintures avec des ingrédients traditionnels. Et c'est l'occasion de passer, un moment sympa avec quelques personnes du bar et, je dirais, des gens suffisamment informés pour prendre un peu au sérieux la préparation de ce rituel. Vous doutez, pour pas mal de monde, c'est seulement du folklore. Vous savez que c'est un peu plus que ça. Est-ce que ça vous dit ? Allez, bien sûr, oui. Allez. Bah écoutez... On a le temps de faire quand même les citrouilles avant. Oui, bah retrouvez-moi au bar à 19h30, 20h. Parfait. Ah bah ce sera après le concours de hot dog, du coup. Oui. Ça sera un moment sympa, et puis... 19h30, je note. Et bah, parfait. Eh bien, écoutez, je vous laisse. Amusez-vous bien. Lee, essayez de ne blesser personne. Ouais, maintenant, vous savez, c'est surtout des coups de fourchette que je vais donner. Mais dans des hot dogs. Parfait. Tu manges des hot dogs avec une fourchette, toi ? Bah, on verra ce qu'ils me donneront. Peut-être pas, t'as raison. Peut-être qu'ils mangent proprement. Ouais. Je te prépare donc une petite, peut-être, décoction pour l'estomac ce soir. Ah bah, je veux bien. Parce que même si j'ai une faim de loup, je mange pas non plus comme un cochon. Que d'animaux. Très bien. Je voulais ma peluche. Oui. Bon, et bah, je vous dis à ce soir. À ce soir, j'ai hâte de voir ce rituel et qui va sûrement très bien se passer. Je sens qu'elle regrette déjà de l'avoir envie. Elle vous laisse, elle est suivie donc par l'étudiante, l'ancienne lycéenne qui était à la carabine avec elle. On la connaît, cette ancienne lycéenne? Oui, d'ailleurs, on n'a pas trop eu de discussion. Eh ben, elle était au lycée, donc elle a fini l'an dernier, mais elle était au lycée quand vous y étiez, hein, c'était la capitaine des pom-pom girls. Vous la connaissez pas personnellement. Elle a la réputation d'être un peu caractère de cochon. Elle a mené l'équipe d'une main de fer. Ça lui a permis d'avoir le titre, mais de pas se faire nécessairement beaucoup d'amis au lycée. Ah, un peu autoritaire. Ouais. Par contre, elle est pote avec Juliette. Mais elle est pote avec Juliette, effectivement. Ok. Bien noté. On va voir ce soir.
Du coup, concours de citrouille ? Allez là ! Ouais. La journée avance, mais vous avez le temps, effectivement, d'aller au concours de citrouille, de retrouver, eh bien, cette ambiance que vous connaissez. Et... Ils sont grosses comment, les peluches ? Ah, vous êtes quand même bien, bien chargé. Il y a du bon... Putain, c'est une grosse grenouille. C'est un gros crapaud, le truc. C'est un crapaud protégé. Du coup, vous allez facilement le retrouver avec les cris des enfants hein, qui se chamaillent, qui jouent. Et vous allez pouvoir, effectivement, rejoindre Kimimela, qui est avec David, son mari, en train d'essayer de permettre à une petite bande de mômes de faire des citrouilles sympathiques sans finir avec un couteau dans la main ou pire. Et bon, que voulez-vous ? C'est aussi comme ça qu'on apprend. Okay. Ils vous voient arriver et puis comme vous êtes des habitués de leur diner, ils vous saluent chaleureusement. C'est David le premier qui vous repère. Hé hey, les jeunes ! Comment ça va ? Bah bien, bien. On a gagné au tir à la carabine. Hé hey. Pas mal, on je a fait pas diversion étiez... avec nous. Diversion hein, pour distraire les petits bisons hein. De métal. Non, non, bah, j'ai confiance. Non, parce que diversion tout de suite, là, ça vous donne... Vous avez toujours payé vos additions et je peux pas en dire autant de tous les jeunes du lycée, donc. Ah. J'ai confiance en vous, pas de problème. C'est parce que Linus, il est plein aux as. Eh oh. Peut-être... Alors qu'il a pas voulu payer la partie. Ah, j'avoue. Y a l'un de vous qui a une petite envie de sculpture ou vous êtes juste de passage ? Ah oui. Si, 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 si. On va voir si on est plus fort avec des petites lames qu'avec des... Bon bah oui, on va participer aussi. Alors je remonte bien proprement mes manches de chemise, tu vois, pour pas les tâcher. Et j'enfile un tablier qu'ils doivent certainement fournir pour bien protéger ma chemise. Voilà. Très bien. T'as oublié de mettre une charlotte. Ah oui, effectivement. Et des gants. Moi j'ai pas besoin de gants, je vais les taillader à la main. Nah. Oui, les gants, tu sais, je mets des gants, mais tu sais, des gants noirs en latex. Ouais, des gants mappa. Et tu prends un scalpel. Du coup, vous allez pouvoir, et vous pose 4 belles citrouilles devant vous, déjà vidées, vous avez pu casculter. Ah. Oh. Ah. Oh là là, le luxe. Selon j'ai cru vos que t'aurais méthodes. Dit les cantrops que t'aurais eu moins à manger du coup. Ah, mais je vais pas manger la citrouille. Non mais l'intérieur a vidé tu vois tant qu'il y a un truc à manger. Par comme contre moi j'aurais kiffé m'en foutre plein les mains parce que je suis pas forcément très je suis un peu crado mais voilà. Comme c'est Lizzie qui a terminé à carabine je vais te laisser commencer sur les. C'est casser la gueule aussi. Eh ben ça là pour le coup quelle va être l'approche. Est-ce que pour c'est les cantrops, ouais, ça va être casser agir la gueule, sous pression en étant plutôt concentré en utilisant ton cool. Est-ce que c'est ah. Évaluer une situation qui craint avec le futé pour voir sous quel angle c'est. Utiliser la magie éventuellement, pourquoi pas. What non, oh, pour Lizzie Winter, il y aurait des possibilités discrètement. Oh, ça ou casser la gueule si c'est un petit peu plus. Un petit peu plus frontal comme approche. Là. Sur la citrouille, on va, une fois n'est pas coutume, vous laisser le choix de la manœuvre. C'est vrai que là, je pourrais avec de la magie, avec un peu en secrète. Moi, j'ai rien compris. Parce qu'il faut faire des gestes. J'ai un truc qui me permet d'esquiver un des 3 éléments nécessaires. Donc, avec un consommable et des gestes, avec un truc de citrouille, là, je peux faire genre. Pour faire une belle citrouille. Oui, bah, effectivement. Bah, là, tu peux dire que tu n'auras pas besoin de consommable et qu'en passant tes doigts sur la citrouille pour tracer les contours. Formulant peut-être quelque chose à voix basse, tu peux essayer par magie de faire... Bah, elle sacrifie la Allez. Citrouille pour son sort. Je vais essayer de briller en société face à des enfants de 8 ans quand même. Il y a de la pression. Il y a un concours. Il y a beaucoup même, de monde qui nous regarde. La plus ouais. Belle citrouille, ou... Et un 7 encore, donc plus j'ai 2 mois en... Ah, 9. Plus 2, ça fait 9. En bizarre, donc... Ça reste moyen, du coup. Et bah c'est pas non, mal, c'est tu as réussi... Là. Déjà, tu as réussi à faire ton sort sans que personne... ne le remarque. Ah, oui. Si ce n'est que Kimimet, déjà terminé, Lizzie, ça traîne pas un peu trop efficace ouais, j'ai l'habitude pour avec avoir les... pris des moyens conventionnels, peut-être. Non, du tout. Ouais, ça accuse.
Non, tout de suite, là. En tout cas, très sympa, hein, ce petit motif. Décris-moi, qu'est-ce que t'as gravé dans... Moi, j'ai essayé de faire... j'ai pas fait un visage, j'ai essayé de faire, tu sais, les mini-scènes. J'ai fait faire des petites scènes. Et donc, du coup, j'ai fait un zombie qui sort d'une tombe. Avec des petites chauves-souris en haut et tout. Faire ça sur des citrouilles. Bah ouais. Je vous invite à regarder les concours de citrouilles, effectivement, ouais, il y a des choses les assez dioramas qui font dedans et tout. Et bah effectivement, t'es assez scotché. Là, t'as les, effectivement, les gamins qui s'approchent. Ils sont tous fascinés. Waouh. Je te l'échange contre 3 cartes Pokémouille. C'est legit, en 2005, il y avait des cartes Pokémon. Ou des Pog. Du coup, sur l'approche un peu moins délicate, peut-être, Lee. Alors moi, j'ai rien compris à la finesse. Je vais utiliser ma force naturelle, c'est une manœuvre. Donc je lance 2 dés plus bizarre. Bizarre, j'ai 3. Et je vais, du coup, attaquer la citrouille avec mes griffes. Alors j'ai fait 7, mais plus 3, 10. Parce que j'ai 3 en bizarre. Donc voilà. Ben effectivement, tu arrives toi aussi. Avec ta manœuvre unique d'archétype à faire une sculpture pas tout à fait aussi vite que la méthode magique, mais néanmoins un petit peu à la Edouard aux mains d'argent, on pourrait dire. Et Kimimela vient aussi un peu de discrétion quand même, jeunes gens. J'ai éclaboussé un peu mes camarades à côté parce que Citrouille, elle a pas eu le temps de voir ce qui lui fait arriver dans la gueule. T'as un bout de citrouille qui arrive pile sur gilet là. Le seul endroit où il y a pas de protection, tu sais. Désolé, Linus. J'ai été un peu emporté. Non, mais ce n'est pas grave. Comme ça, j'ai pas taché tes vêtements de protection. Lexi, toi qui étais la plus enthousiaste pour le pumpkin craving. Ah bah moi j'y vais the old fashioned way. Je prends le petit couteau et puis je découpe. Je fais certainement moins bien qu'un enfant qui est à côté de moi, mais je vais faire en l'honneur de ma peluche lapin. Je vais essayer de faire une citrouille en mode lapin. Genre je découpe des morceaux qui font les yeux et je les pose en oreille et tout. Pas mal, et bah fais un petit jet. Peut-être en casser la gueule pour toi, pour utiliser ton coriace, qui est ta plus haute statistique. Casser la gueule. C'est le petit instant tuto sur les manœuvres à travers les citrouilles. C'est bien, c'est bien. On révise comme ça. 13. Oh, punaise. 13, mais alors là... 13, mais donc tu t'enchaînes des bouchons. C'est sa journée, là. Il va nous arriver une couille monumentale. À la perfection. Ouais. Effectivement, tu arrives à faire ce petit lapin qui ressemble vraiment à la peluche. Je mets la peluche à côté. Oh, il a l'air vivant. C'est ça qui est fort, là. C'est David qui est scotché. Bah, dis donc, je te connaissais pas, une âme d'artiste. Bravo. Ah, on a pas eu l'occasion d'en parler, hein. C'était pas de jugement de valeur. J'ai eu des vies précédentes. Si jeune, et déjà. Ouais, et bah, dis donc. Et toi, mon petit Linus, maintenant que t'as fini de te recouvrir de cellophane, qu'est-ce donc que tu vas faire? Alors, je sors le petit scalpel, et du coup, je sors un espèce de petit mètre aussi de couture, et je fais oui, d'accord, très bien. Voilà, je fais un truc millimétré, le plus précis possible, pour utiliser futé. Tu seras donc sur évaluer une situation qui craint. C'est ça. Notamment le fait pour les puristes qui nous regardent, je sais que ce ne sont pas les manœuvres qu'il faut appliquer exactement, mais il n'y a pas de manœuvre sculpture de citrouille, donc je fais ce que je veux. J'ai fait 7 plus 2, 8. Du coup, c'est un peu entre deux, c'est ça, non? 7 ouais, plus c'est 2, pas mal. Bah, effectivement, en fait, t'as la Charlotte qui te tombe un peu sur les yeux. T'es un peu gêné dans tes mouvements par tout ça, donc t'arrives à peu près à faire ce que tu souhaites. Bah du coup en fait moi j'étais parti sur
une citrouille pédagogique. Hein. Voilà. Donc le principe, c'était de représenter les signes avant-coureurs d'un fantôme et comment les reconnaître. Alors, du coup, j'ai essayé de faire ça le plus précis possible, mais je pense que je me suis perdu en détail et que ça m'a pris trop de temps. C'est un genre de bande dessinée que t'as fait. Et du coup, tu seras celui que j'utiliserai en exemple pour dire un petit grain de sable peut venir se glisser quand on fait moins de 10. Et donc, tu avais le petit Brandon à côté de toi. Oh non, pas Brandon. Qui, lui, depuis tout à l'heure, est en train, à coup de poing, oh, putain. de faire du massacre de... Ah, c'est ma technique, du massacre ça. De sa citrouille. Il a pas compris, c'est pas l'atelier purée, ici. Du coup, t'as lit à côté qui est « Ouais, c'est bien, c'est comme ça qu'il faut agir !» Il y en a partout, par terre. Et du coup, quand tu essaies de prendre un peu de recul sur ton œuvre, eh bien, tu glisses. Oh. Et malgré toutes les précautions que tu as prises, tu te retrouves les fesses dans la purée de citrouille. Ah non Bah Linus, qu'est-ce que tu fais par terre, Linus? Bon, j'avais mis un pantalon rouge pour l'occasion, mais quand même, merde. En plus, là, justement, ça va faire une grosse trace, comme si... Voilà. Non, ah, mince. Je commence à enlever mon pantalon pour aller le nettoyer. Pas devant les enfants, c'est tout le monde, genre, devant les enfants, ouais, j'avoue. Oh, t'as de la citrouille qui est rentrée dedans. Ah, mince. Est-ce que je peux aller laver ça derrière? Ah, oui, il y a des sanitaires, évidemment, mais au moment où tu veux faire ça, eh bien, vous entendez une petite sonnerie et un bruit de micro. C'est 18h. Il est 18h, mesdames et messieurs. Les estomacs commencent à gargouiller. Oui. Les bouches commencent à saliver. Il est temps de venir dévorer. Venez immédiatement soutenir nos concurrents pour ce concours de mangeage de hot dog annuel. Vous le connaissez. Nous avons Christopher qui est le tenant du titre de l'année dernière. Va-t-il encore tenir? Non, c'est pas lui dans le concours. Ah oui, merde. Désolé, Christopher. Vous voyez donc, eh ben, pas mal de monde. Vous êtes presque assez surpris pour un concours de hot dog à tirer autant. Moi, concrètement, je suis en train de dire « Ah non, je ne peux pas y aller comme ça. » Donc, je reste dans les sanitaires à nettoyer. Non, mais si, tu ferais mieux de garder ton pantalon sale, parce que vu qu'il sculpte comme ça, à mon avis, il doit manger pareil, donc tu vas recevoir peut-être un peu de hot dog aussi. Hein. Oui, ben, je me mettrai au fond, au fond du public. Mais non, hein, voilà. Participe, viens. Je te prête, je te donne ma serviette, si tu veux. J'en ai pas besoin. Non, c'est pas trop mon truc, non. Ok. Je lui passe comme j'ai toujours mon t-shirt par-dessus un t-shirt, je lui passe mon manche longue là pour qu'il se le mette en ceinture. Tout ça, ça cache derrière. Mais on voit pas qu'il est sale parce que sinon il va prendre 30 ans à venir être fatiguant. Oui, on va tout louper là. Vous passez devant T'as pas un petit sort pour ça sinon. Devant la piscine à boules des enfants, le château gonflable, les bornes d'arcade. Il y a aussi un conteur qui a l'air de raconter des histoires qui font peur. Ponctué de petites notes de flûte de pan. J'étais en train d'imaginer un compteur GGR. Tu sais. Non. un monsieur barbu avec une flûte assis sur un tabouret qui raconte des histoires aux enfants. Bref, ce genre d'animation, c'est pas un peu rural. Et au bout de la foire, est dressée une grande estrade. Avec une grande table et une nappe blanche sur chacune des places, une petite canette pour vous aider éventuellement à digérer. Effectivement, Bullmaster, la boisson énergisante, est sponsor de l'événement. Boycott. J'ai envie de participer du coup, ouais. C'est clair. Donc Lee, si tu souhaites aller manger, ben tu peux. Grimper les quelques marches, donner ton nom. Ok. Et prendre place. Cantrope. Très bien. Tu t'assois donc. Et voilà que c'est annoncé. Mesdames et messieurs, le concours 2005 du plus gros mangeur de hot dog de West Hill, Iowa, va pouvoir débuter. Ouais. Cette année, Bullmaster, notre sponsor, vous permettra peut-être de digérer un petit peu plus facilement. Nous le rappelons, les hot dogs doivent être mangés en entier. Ok. Vous ne pouvez pas en garder entre les joues. Vous ne pouvez pas en cacher dans vos poches. Nous serons intraitables.
Donc tu es rejoint au lit par quatre autres concurrents, dont ce fameux Christopher que tu avais déjà repéré l'an dernier. Papa, je l'avais déjà repéré l'an dernier. tu avais assisté au concours. Tu savais qu'il avait gagné. Ok. C'est un homme noir d'une trentaine d'années, étonnamment mince pour quelqu'un qui est un grand gagnant de concours de hot dog. Il s'est entraîné, il a fait le vide avant. C'est un vrai. Eh bien, messieurs, dames, asseyez-vous. Mettez vos serviettes. C'était quoi le record l'année dernière? L'année dernière, c'était 48 hot dogs. 48. C'est en combien de temps? Je suis prêt. Je suppose que c'est des hot dogs américains. J'ai qu'une cuillère sur ma... c'est du hot dog généreux, oui. Eh bien, il n'y a pas de durée, ce n'est pas une épreuve chronométrée. Rassurez-vous, hein. Ah oui, c'est bon, je reste géant, quoi. Les pompiers sont derrière, comme tous les ans. Je reste là toute l'année, je vais bouffer des hot dogs tout le temps. C'est pas chronométré, il a dit. Nouveau rituel, hein, salut. Je comprends. Ok, pas chronométré. 1, 2, 3... Mangez! Et donc, lui commence. Allez, Lee! À engouffrer les hot dogs! Il en mange un, il en mange deux, il en mange trois! Christopher tient le rythme! Il y a un premier concurrent au bout de 7 hot dogs qui lâche l'affaire déjà, qui se sent mal. Bon, je vais pas faire trop le fier. Lee est toujours au taquet, mais il va falloir à un moment agir sous pression. La pression de ton estomac. La pression, ouais, je comprends. C'est vrai que ça commence à s'empiler un peu là. Donc j'ai tu pas vas me lancer 2d6 plus cool. Ah, c'est bon ça, je suis bien moi. Vas-tu ça fait 9 et voir du boule master. Donc j'ai fait 6 et 9 et je crois que c'est 2 que j'ai en cool. Je crois que t'as fait 9 sur un non, d6. Non, tu as 0. Mais... Ah non, j'ai 0. Bah j'ai fait 9 alors. Tu 9 as fait non, 9. C'était 2, hein, 2d6, c'est ça? Oui, 2d6. Oui, oui. Mais je sais pas, t'as dit j'ai fait 6 et 9. Oui, c'est pour ça. Moi aussi, j'étais en mode. Bah, sur un d6, c'est compliqué. 6 et 3, 9. Ça fait 15 plus 0. Eh bien, écoute, ça passe. Tu as quand même un petit renvoi, petite remontée, qui fait que notamment 3 jeunes filles du lycée assises au premier rang repartent d'un air dégoûté. Bah, en même temps, c'était sûr que ça allait arriver. Mais tu vas pouvoir continuer. Ok. Tu toi, Alexis, t'avais dit de faire course. Attention. Tu manges. Là, il y a un nouvel abandon. Une autre personne à deux doigts de tomber de sa chaise. Un homme d'une soixantaine d'années s'en va, lui aussi. 60 ans, le gars, mais putain, mais... Il reste donc toi, Christopher. Et une femme aussi qui est toujours dans la course. Elle a une stratégie. Gorgée de boule master, hot dog, gorgée de boule master, hot dog. Et donc tu vas me refaire. Master, hein. Moi, je prends tu vas me refaire un test d'agir sous pression. Ok, allez, sois cool. Nen, ça fait 7. C'est moins bien. C'est moins bien, mais ça passe encore. Ça passe. Mais. Tu commences quand même à transpirer du front. Hein eh, t'es un peu moite, eh, de, un peu moite du dos. Christopher, lui, lâche rien. Mais cette femme, elle, va finir par abandonner. Ouais. Il te reste... Tu es seul face au gros champion. Tu continues à manger. Vous avez déjà mangé plus de 30 hot dogs chacun. C'est le moment de sortir le deuxième estomac. Là. Vous êtes dans la dernière lancée. Il est temps de sortir les toilettes. Ouais. Et donc, face au champion, tu vas me refaire un dernier agir sous pression. Ouais. Allez. Attends, on peut pas faire un truc pour aider normalement aussi? Ah ouais, vous pouvez me passer votre cosmo-énergie. Non, mais je sais pas, peut-être énergie. Qu'avec un sort, moi je peux faire... je réussis un sort et ça lui donne un... Ah, tu me vides l'estomac? Attention à pas me retirer l'estomac. Tu peux essayer de l'aider, effectivement. Après, je suis à 9. Il n'y a pas un truc où genre vous me boostez un peu et je gagne un point ou deux de plus? Bah, si elle parvient à t'aider, effectivement, tu pourras rajouter un point.
T'as zéro en donc c'est comme si je faisais un tour de magie du coup. C'est 9 brut. Bah dans le cas présent, tu vas pouvoir effectivement utiliser la magie, c'est un peu ta seule façon de. Ouais. Ta seule façon de l'aider. Ça fait un 8 du coup. Ça fait un 8. Donc c'est une réussite. Et bah du coup tu vas l'aider, effectivement, il va se sentir soudainement plus frais. Oh, je suis vrai là. Mais du coup, ça fait plus 1, je crois, non, c'est ça. Du coup, il aura plus ouais. 1 effectivement sur un de ces jets. Il a un point de réserve, comme on dit. Ah oh, ouais. Mais bah, du coup... tu vas devoir choisir quelque chose. Une petite contrepartie. Ou tu vas me gerber sur les chaussures. Oh non. Ils ont bien fait de partir. Soit je gerbe dans le dos de Linus. Soit ta magie va attirer l'attention de quelqu'un. Mm-hmm. Soit tu vas prendre un contre-coup. Tu vas prendre un point de dégâts. Okay. Soit il y aura un effet secondaire. Ça peut être marrant. Sur moi ou sur Linus sur lui. À toi de choisir. Tu pourras inventer un effet secondaire un peu négatif qui va se produire. Je vais prendre l'effet, mais le mauvais effet là, ça a l'air marrant. J'aurais pris ça aussi. Et donc, eh bien, en envoyant ta magie sur Linus. Sur Lee, pardon. Pas sur Lee, sur le sage. Sur Lee, je suis bien, toujours en train de frotter mon pantalon. L'effet de la magie sur notre ami va réveiller un petit peu sa seconde nature. Et au fur et à mesure qu'il continue de manger, et bien il commence à avoir des poils qui lui poussent sous les mains, qui dépassent de sa chemise. Faut intervenir là, du coup moi je vois ça, j'interviens. C'est une diversion, je sais pas, je pousse quelque chose. Lizzy, qu'est-ce que t'as brûlé? Ou je Linus, t'es avec nous ou t'es pas avec nous? Ah, je suis pas avec vous. Ça pousse suffisamment doucement, Lee, tu t'en rends compte, mais pour le moment c'est encore discret, donc tu peux continuer le concours et tu pourras donc refaire un agir sous pression en ajoutant plus un d'aide. Ok. Vous pouvez peut-être accuser Christopher d'avoir triché ou un truc comme ça pour détourner l'attention. Non. Et comment ça, il m'a fait pousser des poils. J'en sais. Pour le moment, ça se voit pas. Toi, tu remarques, Lee, que se passe un truc. Ah, nous, on voit pas en fait pour l'instant. Ah, c'est donc ça la puberté. Non, ça arrive vachement plus vite que ce que je croyais. Allez, lance donc télé. Dans 2 secondes, je vais muer. Ça fait 8, 6 et 2. Donc plus 1, 9. Pour ton. 1, 9. Donc on est à moins 10. Donc tu vas réussir néanmoins. Et te voilà en train de continuer à manger. Tu arrives au 36e hot dog. Et à ce moment-là, tu vois Christopher qui abandonne. Il essaye, il boit du Bullmaster. Il mâche. Mais non, il prend la petite poubelle qui est à ses pieds. Et le dernier hot dog ne passera pas. Il le recrache. Tu es victorieux. Ouais. Arrive alors le présentateur qui tire par le bras. Le champion de West Hill Hot Dog Conquest 2005, Lee Cantrop. Ouais. C'est un costume. Ouais. Si j'envoie des points. C'est Halloween. Vive Halloween. Mais avec... Ça passerait en vrai. Avec ce 9, il se passe une petite chose aussi quand tu agis sous pression. Oh, le grain de sable. Grain de sable. Et la pression de ton estomac là, elle devient forte. Et quand tu fais way, et ben tu peux pas t'empêcher de lâcher un énorme gaz. Oh. J'ai eu peur. Mais je pouvais pas vomir comme tout le monde. Et l'ensemble là, c'est tu entends un cri d'écœurement de l'ensemble du public. Ils se rappelleront aussi c'est Christophe qui vomit. Tu vois Christopher qui a un peu un sourire narquois en coin. Salaud! Il est plutôt temps pour vous de filer, hein, de ne pas rester plus longtemps sur place. Encore un comme ça, il faudra changer l'air. Oui, surtout qu'il vient de miner la zone, du coup, a priori, donc vaut mieux partir, effectivement. Et vous allez donc pouvoir vous rendre... Le reste de l'automne n'est plus bon à manger. Vous allez donc pouvoir vous rendre au Grand Bison Blanc, le bar que tient Juliette. Est-ce que j'ai réussi à nettoyer à peu près mon pantalon? Ça va, oui, t'as réussi à peu près. Ah. C'est que du potiron. Ah. T'as eu le temps de faire ça. Mais t'es en quel but, là, du coup?
J'étais en quel but dans les toilettes en train de nettoyer. Et maintenant t'as un fut mouillé, c'est ça en fait. Du coup le c'est... bar. Oui c'est possible. Oui. Le bar est de l'autre côté de la ville. Donc, parce qu'il est dans les anciennes zones un peu industrielles, vous imaginez ces grands bâtiments de briques qui ont servi d'ateliers et de choses comme ça. Très stylé. Du coup, pour vous y rendre, bah, vous pouvez éventuellement prendre les transports en commun. Je rappelle que L mobile de Linus. Voilà, je rappelle que Linus est propriétaire. Il va pas vouloir que Lily monte dedans. propriétaire d'un van, donc vous pouvez. Alors oui, mais par contre, tu retiens ton estomac, s'il te plaît. Elle reste dehors pour pouvoir... J'ai pas gagné un truc, moi, d'avoir bouffé tous ces hot-dogs. Tu as gagné un très beau trophée en forme de hot-dog. Voilà. Oh. Ah, c'est dommage, j'aurais préféré une coupe hein, pour pouvoir te soulager. Et tu as gagné $200. Ah, j'ai gagné 200 boules. Ah bah, heureusement que j'ai demandé. Et tu nous rinces au bar ce soir, j'espère. Ah bah, allez. Surtout Lizzie qui m'a bien aidé. Surtout sur le moment, je me dis bon bah parfait, bah t'as ce qu'il faut pour payer un taxi et éviter de faire dans mon van. Bah allez là. Vous allez donc quitter la foire en van, je suppose. Oui. Ouais. Et donc allez, alors que eh bien la... si on laisse la porte un petit peu à l'arrière ouverte parce que à mon avis ça sent là dedans, c'est comme pas possible. Oui bon bah voilà. Alors que le soleil commence à décliner. Vous allez traverser la ville. Là, vous étiez plutôt au sud de la ville, en lisière des bois de Westhill. Et vous allez, du coup, aller au nord, donc dans l'ancien quartier industriel, là où se trouve le bar de Juliette, donc le Grand Bison Blanc. Ok. Vous vous garez sans problème. C'est une petite rue... assez étroite, mais il n'y a pas de passage, donc vous pouvez laisser le van là, il n'y a aucun problème. Très bien. Je passe bien 5 bonnes minutes à faire un créneau que je veux le plus propre possible. Et donc vous passez la porte, du bar. Après avoir je précise arrière, juste que j'ai pris l'habitude de laisser mon épée familiale dans son van. Parce qu'en fait, on traîne toujours un peu ensemble et c'est pas très discret. On referme les vitres alors, on referme les carreaux. C'est pas très discret l'épée familiale sur soi, quoi. Ouais, j'ai envie de te dire, c'est normal en Russie, mais bon, c'est pas le pays. Mais on est aux États-Unis. Vous passez donc la porte de ce bar, vous êtes accueilli par la playlist des classiques de rock que Juliette passe constamment. Vous êtes dans un lieu... assez calme hein, à cette heure-là, il y a peu de clients. Il y a toujours assez peu de clients dans ce bar, parce que vous savez, vous, que le bar de Juliette n'est fréquenté que par des personnes particulières, qui connaissent l'existence de certains mystères, et dont vous faites partie vous aussi, ces gens que Juliette appelle les éveillés. Au comptoir, donc... Juliette est là, elle a sorti tout un tas d'herbes, de racines, de choses avec des pots pour moudre, de quoi faire des fagots également. Et elle a déjà commencé à travailler avec, effectivement, cette jeune fille qui la suivait. Vous vous rappelez qu'elle se nomme Savannah. Vous avez eu un éclair de lucidité. Savannah. Et avec elle se trouve une autre personne que vous avez déjà vue dans le bar, qui s'appelle Sally Wilson. C'est une femme qui arrive dans la trentaine, une grande blonde, habillée toujours à l'arrache. Vous savez pas si elle est habillée ou si elle est en pyjama à chaque fois qu'elle arrive au bar. C'est quelqu'un qui est plutôt sympa, mais pas particulièrement bavarde. Mais Sally, comment t'as dit ? Sally Wilson. Oui, Voilà, l'endroit est assez calme pour le moment. Et Juliette vous accueille. Bienvenue. Ah, je suis content de vous voir. Vous allez voir, on passe un moment assez sympa. Et effectivement, vous sentez déjà une petite odeur qui vient de la cuisine et qui vous met l'eau à la bouche. Peut-être un peu moins à lit pour la digestion, mais néanmoins,
Donc vous allez pouvoir vous mettre au comptoir avec ces trois femmes. Qu'est-ce que je vous sers à boire ? Alors, pour moi, ce sera une limonade avec une rondelle de citron au shaker, pas à la cuillère. Oui, on a pas la limonade au shaker, tu me fais la blague à chaque fois, Linus. Bon. Mais comme d'habitude, c'est bien quoi, que ça va mal finir. Un jour, je vais t'ouvrir le shaker au visage. Oui, mais bon. Meilleure plaisanterie. On a pas le droit à l'alcool, alors bon. Mais alors, t'as peur des gaz, Linus ? Eh, t'étais moins timide tout à l'heure quand j'étais sur scène. Bah, j'étais pas là. Ah oui, c'est vrai, tu l'avais ton pantalon. Ah, t'as loupé un truc. En même temps, c'était peut-être mieux. Oui. Juliette marque un temps d'arrêt, et les deux autres femmes aussi, mais... Bon, à part Savannah, qui t'a jamais vu au bar, les deux autres sont un peu habitués à tes réflexions, pas forcément d'une grande finesse. Désolé. J'ai été mal éduqué. Bon, bah, sinon, okay. Oui, bah, une limonade, quoi. Limonade, ouais. Très bien. Tisane, Lee. Tisane digestion facile. Digestion tranquille, ouais. Voilà, c'est ça. Je veux bien un truc qui va un peu détox, qui va me tasser tout ça. Ouais, j'ai eu Kimi Mela au téléphone. Elle dit que t'avais fini sur un air mémorable. Oui, elle en a eu vent. Ah bah bravo. Ça relance. Tu grandiras jamais, toi. Et vous, les filles ? Au moins, il assume. Un truc à boire Un petit soda, oui, allez. Ouais. Une deuxième limonade. Ouais, un petit peu de caféine, comme ça. Ouais, un peu de caféine. Mais j'ai pas de Bull Master, hein, pas de cette horreur chez moi. Ah c'est non, pas dégueulasse. Ça, ouais. Ça tue l'écosystème, en plus. Très bien. Donc, elle vous sert à boire. Hop. Elle vous ouvre ça. Pendant ce temps-là, effectivement, vous voyez... Sally et Savannah en train de répartir un peu les herbes, etc., trier les choses. Juliette revient et dit, bon, je vous explique un peu le programme du soir. Donc on a un rituel à accomplir demain, donc on prépare tout là. Pour vous faire simple, le dernier jour d'octobre, la frontière qui sépare notre monde du monde des esprits et de bien d'autres, est la plus fine ce jour-là. Avec ce rituel, nous allons faire en sorte que West Hill ne soit pas un lieu qui puisse servir de portail. Figurez-vous que dans les bois, il y a un ancien portail qui a servi à des rituels chamaniques. Et du coup, il convient d'y aller demain soir pour, on va dire, sceller la porte. Pour cela, nous allons brûler un certain nombre d'herbes et puis nous allons avoir des symboles à peindre au sol. Symboles pour lesquels nous allons faire une peinture nous-mêmes puisque c'est une recette ancestrale à base de différentes racines et notamment de d'ives blanc, hein, un arbre que vous avez déjà utilisé sur de précédents rituels. Et donc, c'est l'occasion, à la fois de préparer ces choses-là, mais de le faire. Moi, j'aime bien le faire ici, chaque année. Sally a l'habitude de venir. Savannah nous a rejoint là. Je la connais depuis qu'elle est toute petite. Et voilà, on passe un bon moment. D'accord. On peut en déduire que Savannah, c'est une éveillée, du coup ? Tu peux en déduire que Savannah, effectivement, si elle est là et qu'elle est invitée au rituel, elle a connaissance, là aussi, de certaines choses, tout à fait. Est-ce qu'elle a des signes particuliers physiques qui pourraient un petit peu nous indiquer quelque chose ? Eh bien, tu vas me faire enquêter sur un mystère. Ah. Oh, je suis passé à moi de faire ça. Donc, je m'y intéresse aussi. Plus futé. Hein. Je m'y intéresse aussi maintenant. Quand t'as... Plus futé, t'as dit. Ok. Alors, je t'ai fait un 8, mais moins 1, donc 7. C'est pas terrible. 7 plus 2, 9. 7 plus 2, 9. Pour Linus, il y a des indices, effectivement, notamment en observant la pupille de ses yeux. À la lumière, tu peux voir qu'elle a des yeux un peu de loup. Un peu jaune. Un peu jaune, tout à fait. Et pour... D'accord. Lee, et toi, ce sera ton flair qui va te permettre
de faire cette conclusion de rapprochement avec l'animal. Tu peux donc te dire que vous êtes probablement plus proche. Oh, ils vont se renifler le cul, merde. Oh, on n'a ça... dit pas le cul. Ça, c'est... elle m'a senti depuis la scène. Oh, ça, est-ce que c'est pas un loup, ça? Super. Quand tu renifles un peu comme ça, étonnamment, tu te retrouves soudainement pris par le col. Bah par cette femme qui a une force plus forte que celle à laquelle tu t'attendais. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Elle dit, écoute mon gars, vu comment tu m'as l'air de partir en cacahuète, on vient sûrement pas de la même meute. Donc tu vas garder ton odorat pour toi, on va faire les petits paquets pour Juliette, et c'est tout. Ok. J'ai pas d'objection madame. Ouais, vaut mieux pas, ouais. Et là, elle te relâche. Et elle retourne, elle est en train d'écraser des racines dans un pilon. Elle fait ça super bien. Avec Sally qui fait elle un sourire en coin, effectivement, et qui. et qui continue, elle à trier des plantes et à en faire des petits fagots tressés. Ok. Je vais prendre mon monté et je m'assois et. Je le bois doucement, je sais pas encore trop ce qui vient de m'arriver. Je sais pas si je me suis fait, agresser ou juste c'était des présentations normales. Je suis pas habitué en fait à ces interactions avec d'autres gens. Je m'approche de lui, je lui tape un peu sur l'épaule. Cher ami, tu viens de te confronter à une petite lutte de territoire face à une nouvelle fa. Ah d'accord. Et c'en est où sa pilosité, Ali ? Ça se voit maintenant ? Merci. On le voit ou pas ? Ça se voit. Il est un peu trop poilu pour un mec de son âge, mais... Je ne l'ai jamais rasé. Disons que ce serait une pilosité un peu exceptionnelle, mais qui lui attirerait pas la curiosité des gens autre que... Il est vraiment poilu, ce gars. On va pas suspecter. Ça me rend juste plus âgé, quoi. Ouais, et puis c'est surtout, enfin, tu vois, des zones où normalement t'es pas trop, t'as quand même un peu des poils sur le front, tu vois, ce genre de. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ? Donc je me doute que c'est un effet secondaire de ce que j'ai fait moi, quoi, parce que c'est bizarre, quoi. C'est nul la puberté. Mono sourcil. Du coup, la soirée avance, voilà, dans cette ambiance de préparatif. Juliette, quand même, détend l'atmosphère un peu, elle vous raconte, eh bien, elle vous parle un peu de toute sa. La culture d'Akota a des mythes autour des esprits. Certains esprits sont bienveillants, hein, vivent, selon les Akota, dans notre monde et sont notamment les forces de la nature, les animaux qui nous protègent. Et puis d'autres, plus hostiles, ont été chassés par d'autres et tentent de revenir dans notre monde régulièrement. Ok. Et c'est pour ça que elle-même, en tant que détentrice du savoir et de la culture du peuple Dakota, elle veille au grain à West Hill. D'accord. La soirée va continuer tranquillement. Et puis vous allez, au bout d'un moment, avoir terminé de faire tous ces préparatifs. Rien de très compliqué, vous avez passé un moment un peu assez sympa. Sally, elle s'occupait du coup principalement de faire des petits fagots, et puis elle a tressé avec des branches, des jeunes pousses d'if. Elle vous a tressé des petits bracelets, elle vous en donne un à chacun. Oh, c'est trop mignon, merci. C'est pour le rituel ou c'est bonus ? Est-ce que ça a un effet, effectivement, un intérêt C'est censé vous aider à être épargné par les esprits quand vous êtes dans une forêt. Voilà, rien ne se... Les créatures des forêts ne s'en prendront pas à vous. Voilà, c'est une petite... Merci beaucoup. Une petite habitude que j'aime donner aux gens en qui je commence à avoir confiance.
Voilà, on s'est vu de temps en temps, je me suis dit que... Je fouille un peu dans mes connaissances, moi, de mon côté, pour essayer de me rappeler si, si je connais ce genre de rituel, et si j'étais au courant de ce genre de petits gris-gris de protection. À propos du bracelet, c'est ça? Ouais, c'est ça. Eh ben, tu vas faire enquêter sur un mystère, également, okay. À nouveau. Donc, futé. Eh ben, je ne vais pas savoir grand-chose, c'est un 4, enfin, 2 plus 2. Bah t'en as... Ça y est, j'ai bouffé mes bondés. T'en as jamais entendu parler, et du coup, étant homme de savoir, tu vas même avoir un peu tendance à dire, ouais, c'est... C'est de la superstition, ça. Voilà, tout à fait. Mais moi, je suis magicienne, je vais réfléchir à si je connaîtrais pas ça aussi. Du coup, tu peux également enquêter sur un mystère, tout à fait. T'as dit c'était quoi? C'est futé, c'est ça? Futé, ouais. Plus futé, tout à fait. Moi, j'ai 1. 6, 7, pile. 7. Du coup, tu vas avoir une information. Tu vas savoir que l'ive blanc est connu pour être un bois protecteur et considéré comme magique, en tout cas un ingrédient dans de nombreuses recettes et rituels. Donc, toi, tu vas savoir qu'effectivement, c'est un objet magique. D'ailleurs, pendant toute la préparation, là, je prends un peu des notes. Parce que du coup, ça nourrit un peu mes connaissances magiques, quoi. Ouais. Moi, j'envoie un texto à ma sœur. Lui demander si elle connaît ça. Sachant que je lui dis, ça m'a tout l'air d'être une sorte de superstition tout à fait inutile. Du coup, tu veux contacter le QG, c'est ça, pour faire ton... Ah ouais, on va dire contacter le QG, ouais, sachant que c'est ma sœur, c'est pas vraiment le QG, vu que c'est ma rivale, on va dire, entre guillemets, mais... Ah, c'est... Bah écoute, si c'est plutôt sur le côté de la rivalité, ouais. Eh bien, elle va te... simplement te répondre à... Eh ben, si tu faisais des recherches correctement, tu le saurais. Et voilà, c'est la seule réponse que tu as par SMS. La tête cavalcée. Du coup, la soirée a bien avancé. Il est minuit maintenant. Le rituel est prêt pour demain. Et vous allez pouvoir regagner votre... regagner votre chez vous tranquillement. Tu me déposes, Linus? Oui, bah oui, bien sûr, oui. C'est quand même à l'autre bout de la vie. Merci beaucoup. Vous allez donc sortir du bar. Et quand vous sortez, la porte va se claquer brutalement derrière vous. Soudainement. Ah. C'est quoi ces manières? Vous êtes seul. D'accord. Ok, étrange. Il n'y a plus un seul lampadaire dans la rue. Vous n'entendez plus aucun bruit. Et quand vous vous retournez derrière vous, vous voyez soudainement des lianes, des ronces, des vignes pousser sur la façade. Recouvrir en un instant. Wow. La porte. C'est fort cette limonade là. Ça commence vite Halloween. Mais le bar a l'air éteint à l'intérieur en fait. Vous ne voyez plus rien. La couche de liane est tellement épaisse. Je retente d'ouvrir la porte. Alors tu vas devoir essayer de placer ta main entre les lianes. Ah oui, ok. Et ce que tu remarques en t'approchant, c'est que ce que tu pensais être des épines sont en fait des centaines de petites quenottes. Des petites dents d'enfant dépassent de ces lianes. Ok, je retire tout de suite ma main. J'oublie cette idée saugrenue que j'avais. Je me retourne et je regarde. Est-ce que mon van est là? Ton van est là, effectivement. Bonne nouvelle. Tous dans la L-mobile. Je vais chercher mon épée. Est-ce que tu captes? J'ai mon épée. Est-ce que tu captes avec ton tel? Il commence à pleuvoir. La cape ou pas? Abritons-nous. Non. Peut-être,
Enfin, aucun réseau. Alors tous dans le van. Ouvre la porte. Ouais, dans la L mobile. Enfin non, c'est... Pour récupérer l'épée. Parce que la fermeture centralisée. Non, y'a pas. Pour essayer de donner des... Ton van, il est tout moisi, je crois. C'est pas ça, il a pas un truc... Ah non, c'est des problèmes de démarrage. Vieux. Il est un peu vieux, mon van. T'avais choisi un truc, quoi. Ouais, ouais, c'est juste qu'il est, il est capricieux. Voyant. Au moment où vous montez dans le van, vous voyez que les ronces commencent à aller vers vous. Oh putain, démarre. Après avoir enfermé le bâtiment. Okay. Ok, bah attends, moi je vais lancer. Je fais ça, mais je lance de la magie. Alors attends, je vais revérifier le type de magie que j'ai, moi. Juste derrière, en gros, là, t'as la porte, la double porte, le cul du van, là. Juste derrière nous, je lance un mur de glace. Juste pour bloquer au cas où okay. un petit temps, quoi. Très bien. Tu vas pouvoir faire ton jet d'utiliser la magie. Je tente. Vas-y, sauve-nous. Sauve. Je voulais tester en numérique, mais j'ai... C'est quoi le input value? Faut mettre quelque chose en plus? Non, rien. Enfin, moi, je mettais rien. Sauve-nous. C'est sans mon bonus, ça, je pense. Vous avez sauvé. Oh, 11. Yes. Elle nous sauve. Ah non, non, si ça c'est a dû compter bizarre dedans. Ouais, non, ouais, 6 ouais, plus compté. 3 plus 2. Ça fait 11. Ça fait 11. Donc, avec 11, effectivement, c'est une réussite. Pendant que Linus ouais. enfonce l'accélérateur et commence à partir à toute berzingue, ton mur de glace va vous permettre de vous échapper en van. Pfiou ! Mais qu'est-ce que c'était que ça ? Je tente la radio, voir s'il y a quelque chose, si on capte quelque l'extérieur, chose. C'est, l'extérieur, l'environnement, c'est le même qu'on connaît, nous, en fait, à part... C'est la ville que vous connaissez. Des ronces commencent à pousser sur l'ensemble des murs, mais il n'y a pas une seule lumière allumée. Mais qu'est-ce qui se passe? On est passé soit dans une... Et là, on est la nuit. Linus va tenter la radio, mais ouais, aucun bruit. Ça grésille, ouais. Okay, d'accord. Ça grésille, ah, il avait rien ne se passe. Le bruit de la radio. Il n'y a aucun son, vous ne voyez aucune personne. Vous roulez... Okay. On est passé dans une autre dimension, là. À possible. Toute berzingue... Je réfléchis moi en même temps. Moi, je compile dans ma tête. De... Et soudainement, ouais. vous êtes sur une grande, une des grandes rues de West Hill, et tu vois dans tes phares, Linus, une silhouette au milieu de la rue. Elle est juste devant ton camion. Qu'est-ce que tu fais? Je pile. Tu plantes les freins. Donc là, on est juste comme ça. Là. Mais avec la pluie, la route est glissante. Ah. Tu vois la silhouette. Tu vois la silhouette. Elle se rapproche. Elle est proche de toi. Bah, du coup, je proche du van. Donne un tour, un coup de volant pour essayer de l'éviter. Et vous traversez cette silhouette, soudainement. Oh. Ah. Vous la voyez. C'est une silhouette humanoïde ou. C'est une silhouette humanoïde, okay. plutôt de petite taille. Ah, peut-être un enfant. Vous avez fait un énorme dérapage et vous êtes, du coup, à l'arrêt. Et vous avez traversé cette silhouette. Vous la voyez par les bords de... par les fenêtres du van. Elle est immobile. C'est la silhouette d'une petite fille. Elle est toujours debout. Effectivement. Elle s'approche. Elle commence à marcher doucement vers le van. Vite, part. Réfléchis. Bah, elle s'approche de toi. On a calé, on a quoi? Il est toujours. Et tu commences à l'entendre. Oh putain. Alors démarre. Elle ricane un peu. Elle a l'air d'être. Elle veut mon lapin, je suis sûr. Habillée. Plutôt de vêtements du début du XXe siècle. Ah! Et elle commence à chanter. Lexi, pourquoi tu chantes? Ok, arrête. Alors, c'est pas moi. Et elle avance vers vous. Les spectres sont à la recherche d'une solution ou de quelque chose proche de leur vie. Il faut qu'on trouve ce qui l'a amené là. Je m'équipe d'un manteau, je mets la capuche et d'où il je sors du van. Il va pour parler ou il se casse? Elle continue à chanter. Je vais vers la fille. Mais moi je pense pas que...
Je pense pas que ce soit elle qui soit avec nous, je pense que c'est nous qui sommes avec elle, parce que là, il se passe trop de choses bizarres autour de nous. Du coup, je dis ça, mais Linus entend rien, vu qu'il est dehors. Moi, je me remets à la place du conducteur au cas où, et j'essaye de redébarrer en attendant. Je réfléchis à la possibilité qu'on ait passé qu'on ait passé le voile. Ouais. Voilà, Linus, une autre truc. Elle va te prendre la main. Mmh. Tu vas sentir un contact glacial. Okay, elle continue de chanter. Le froid te remonte dans le bras. Ok. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi ? Il remonte. Elle chante. Je tu vais te sens Linus de plus en plus okay, genre la chambre. Engourdi. Je cours chercher Linus. J'enlève mon bras. Je vais chercher Linus aussi. Je recule, ok. Vous êtes tous déjà dehors. Par le bar, là, je l'arrache. Non, moi j'étais à la place du conducteur, j'essaye de débarrer. Jusqu'au van. Et soudainement, eh ben, il y a un bruit de flûte qui s'entend. La jeune fille se met à hurler. Et part vers le sud en courant. Je me tourne dans la direction de la flûte. Le son, il venait... Ouais, ce que j'allais dire, c'était le global. Flûtiste, il venait dans... C'était un son global. Effectivement, comme si un son avait rempli l'air. Le son de cette flûte. Et soudainement, la jeune fille s'est mise à courir vers le sud. C'est-à-dire vers Liliane ou à l'opposé ? Non, vous veniez du nord, la zone industrielle. Ok, donc elle s'éloigne des lianes. Elle s'éloigne des lianes. Effectivement. Mais les lianes, eh bien, vont commencer à arriver, elles aussi. Là, ok, on y va. Vous voyez du mouvement. Là, les gars. On remonte. De toute façon, j'étais en train de tirer Linus vers la caisse. Donc, Ouais, on remonte. Aussi. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on sache où on va, quoi. Parce que là, on... Bah, t'as rien dans ton des liens, t'as pas des bouquins dans ta caisse, toi ? Si, j'ai des bouquins, mais... Par où vous repartez ? Les lianes approchent. Bah, faut qu'on aille au centre. Pour le moment, faut qu'on aille au centre. On part dans l'autre centre-ville. Sens des lianes. Donc vous allez rouler vers le sud, effectivement, vous rapprocher du centre-ville. Ok. Mais on a toujours notre suit la petite fille, au final, en fait. Ouais. Vous allez suivre la petite fille, mais vous l'avez perdue de vue dans la nuit, sans éclairage public. Et la pluie gagne encore en intensité. C'est une bonne question, ça. On a toujours les bracelets. Vous avez toujours les bracelets, effectivement. Ils sont censés éloigner les esprits. Ouais, bah là, ça n'a rien fait. Censé vous protéger des créatures qui rôdent dans la forêt. Ouais. Il n'y a pas forcément des esprits en général, que la forêt. D'accord. Voilà. Ok. Parmi tout ce qu'on a préparé avec Juliette. Comme j'ai pris des notes, etc., est-ce que dans tout ce qu'elle a préparé, il n'y avait pas quelque chose justement qui protégeait des esprits, de manière générale ? Alors non, c'est vraiment un rituel très spécifique, Au truc. Pour la fermeture du portail. Il n'y a rien qui vous permet de faire ça. Vous allez rouler vers le sud, du coup, en direction du centre-ville. Vous arrivez assez vite sur la place centrale de West Hill, la place où se trouve l'hôtel de ville. Il y a un petit parc au milieu, un parc qui ressemble du coup à une zone sauvage. Toute la nature a complètement grossi. Il y a plusieurs accès, plusieurs rues. Il y a quatre rues, nord, sud, est, ouest. La route est et la route ouest sont déjà bloquées par de la végétation. Vous ne pouvez aller que vers le sud ou faire demi-tour. Le sud, hein. Vous allez continuer à avancer par le van, vers le van, et puis à un moment, soudainement, vous allez commencer à entendre des coups de feu. Damn! Ok. Un premier, un deuxième. Ok, donc ça, quelque part, c'est tu. Un troisième. Les coups de feu continuent. Vous roulez dans leur direction. Ouais, justement, je me dis, alors, on va peut-être ralentir un petit peu, parce qu'il faudrait pas qu'on se prenne un coup quand même, mais ça veut dire que, potentiellement, il y a une autre personne physique, quoi. Oui. Par contre, je réfléchis par rapport à ce que disait Lydie. On aurait potentiellement traversé le voile. Est-ce que, dans mes connaissances historiques, ou par rapport à ma famille, etc., est-ce que je connais des gens qui auraient déjà traversé le voile ? Est-ce que c'est déjà quelque chose qui est envisageable ou qui est déjà arrivé ?
Là, tu vas me faire évaluer une situation qui craint. Ok, donc ça c'est quoi? C'est plus futé. Quoi, plus futé, ok. 7. 7, avec 7, du coup tu vas avoir une information. Effectivement, il y a déjà des gens qui ont traversé le voile. D'accord, je sais pas qui. Je sais pas qui. Juste entendu parler que c'est déjà arrivé, ok. Tu sais. Tu sais pas, c'est pas, c'est plus que juste c'est entendu pas parler. Dire, quoi. Tu ouais. sais, c'est. Ok. C'est avéré. Ok. Donc, enfin, j'essaye de rester très cartésien, très analytique, mais malgré tout, il y a toujours, il y a une petite panique qui commence à arriver en disant, oui, effectivement, ça se pourrait qu'on ait traversé le voile. C'est déjà arrivé, c'est possible. Par contre, va falloir qu'on trouve comment sortir, quoi. Et je ralentis à mesure qu'on entend les coups de feu qui sont de plus en plus proches. Peut-être que je ralentis un peu, quoi, tu vois, pour essayer de ouais. voir de loin ce qu'on voit, même si la pluie ne doit pas nous aider trop à y voir quelque chose. En ralentissant, tu vas voir des lumières rouges et bleues. Police. Tu vas t'approcher. Police. Tu vas voir les gyrophares de la voiture du shérif Joseph Mills. C'est lui qui tirait. Ok. Et des éclairs de lumière t'indiquent que Joseph est sur le toit de sa voiture, en train de tirer des coups de feu. On voit s'il y a quelque chose autour de lui. Avec l'éclair, effectivement, des coups de feu, vous voyez que le sol tout autour de la voiture semble bouger, semble être agité de soubresauts. Il est pris dans les lianes. Comme s'il y avait des choses sur lesquelles le shérif était occupé à tirer. Ok, bah moi je vais envoyer des projectiles de glace dans le doute. Parce que de toute façon, on est dans un endroit bizarroïde, donc voilà. Sur un malentendu. Tu peux envoyer des projectiles de glace. Tu vas faire. Je passe, je suis pas trop loin. Tu vas faire. Étudier. Utiliser la magie. Ouais. Alors pourquoi j'ai un truc. Ouais, bah oui, c'est ça, c'est bizarre. Ah, c'est bien. Avec un 10, c'est donc une réussite. Tu vas pouvoir envoyer 3 projectiles de glace qui vont venir frapper ce sol grouillant que tu vois, mais que tu ne parviens pas à identifier. Ouais. À chaque endroit où les projectiles ont frappé, tu vois voler des morceaux de choses qui ont l'air de s'agiter en l'air en même temps qu'elles volent. Et elles retombent en faisant un bruit métallique sur le capot de la voiture. Un bruit métallique. Elles rebondissent, imaginez quelque chose qui tombe. Okay. C'est le capot de la voiture. Oui, c'est le capot, oui, pardon. Mais c'est plutôt quelque chose de mou. Je m'arrête à distance de ça, okay. Je veux pas qu'on aille s'embourber dedans. Est-ce que ça a l'air de s'étendre au sol, ce truc? Ça a l'air d'être étonnamment concentré autour de la voiture du shérif. Ouais, donc c'est peut-être la lumière, non? Ou les coups de feu qui les attirent? C'est difficile à imaginer. Là, vous êtes encore à une trentaine de mètres. Vous avez pris vos précautions. Au pire, vous allez soudainement entendre un nouveau bruit de flûte qui résonne dans toute la ville. Ok. Vous avez à peine eu le temps d'entendre cette flûte. Que toutes les formes qui sont au sol se mettent en mouvement. Ils se carapatent. Et elles courent vers le sud. Et vont soudainement envelopper la voiture. Quoi ? Envelopper le shérif. Mais non! Vous l'entendez hurler, des cris de douleur terrifiants. Ok. Et tandis que les formes sont sur la voiture, à hauteur des gyrophares, vous voyez que ce sont des centaines et des centaines de rats qui, comme poussés par un signal, se sont précipités sur le corps du pauvre shérif qui hurle à l'agonie. On peut rouler? Ouais, on va s'éloigner de cet endroit. Ouais, vas-y, roule.
Oh le. Bah oui, mais ça j'ai juste une question. Dessus, si on veut aller vers le sud. Non. Est-ce que c'est la même, le même air à chaque fois? C'est le même son de flûte que vous entendez à chaque mais fois. Mais c'est pas le même air. Si, c'est le même air. Si, c'est le même air. Oh, ok, ok. Ok, donc étrangement, ça me rappelle le joueur de flûte. Est-ce que moi, dans mes. Je sais pas si elle a. Je suis censée avoir des connaissances. Eh ben, tu peux également. Tu peux également enquêter sur un mystère. Allez. Enquêter sur un mystère, c'est. C'est avec quoi comme bonus? Futé. Avec futé. Du coup, nous, quelle direction il faut qu'on prenne avec le van là? Qu'est-ce qui a l'air d'être libéré? Est-ce qu'on est obligé de rouler sur les rats ou Derrière vous, vous voyez que les vignes, les lianes continuent d'avancer dans votre direction. Ah oh, putain, on se dirige dans un piège. Je refous un mur de. Alors déjà, avec ton enquêter sur un mystère. Ouais, j'ai fait un 13. Tu vas avoir du coup avec un 13 deux points de réserve et tu vas pouvoir me poser deux questions. Ah oui, il y a les questions. Les questions qui peuvent être par exemple, qu'est-ce qui s'est passé? Quel genre de créature c'est? Quelle est l'origine du son? Je me concilie avec mes compagnons. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Que se passe-t-il ici déjà pour savoir peut-être dans quel. Peut-être, phase on est. Peut-être comment sortir aussi. Comment sortir et d'où vient le son, c'était pas mal comme question aussi. Ouais, mais si c'est d'où vient le son et comment sortir, si on nous dit juste faut résoudre le problème, mais qu'on peut pas savoir ce que c'est le problème. Ouais, mais... Moi j'aurais bien dit que s'est-il passé. Pas dans le sens l'origine physique, dans le sens l'origine de. Qu'est-ce qui produit ce son? Ouais. Enfin, moi, c'est comme ça que je voudrais poser la question. Et comment sortir? Ouais, je pense là, il faut qu'on pense aussi à notre survie, quoi. Comment survivre? Bah, éviter les lianes, évidemment. Bah, du coup, ouais. Alors, d'où, enfin, qu'est-ce qui produit ce son? Une flûte. Ah. Une flûte maléfique. Toki, peut-être. Tu sais que la. Utiliser la musique en tant que magie, c'est plutôt quelque chose qui est fait par le royaume des elfes. D'accord. Le royaume des elfes qui est, vous le savez aussi, du coup je le précise, qui n'est pas un royaume qui est physique dans notre monde. Vous voyez plutôt ça comme un royaume des songes. Ouais, d'accord. Ok. D'accord. On serait dans le royaume des elfes éventuellement. Ouais. Pas très joyeux chez eux. Un peu comme si quoi on était endormi finalement. Bah peut-être. Je me pense. Ok. C'est pas un très beau rêve. Hein. Non, c'est plutôt un cauchemar même. Et donc du coup, comment sortir alors? Comment sortir du royaume des elfes? On se rêve d'ailleurs. Eh bien, si tu entends de la musique, il faut identifier et briser l'instrument. Ah. D'accord. Donc, trouve cette flûte. Oui, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas si elle vient du sud, puisque c'est général le son. Ah. Il n'y a pas une. Justement, ça vient pas elle vient un peu de partout. De quelque part en particulier. Dans ce cas, il faut recommencer le jet et faire d'où vient ce son, mais cette fois de l'origine physique. Il est grand temps pour vous d'agir parce que vous commencez. Ouais. Du coup, moi, par rapport à entendre à ce que très je disais, fortement. On est obligé de rouler sur les rats pour pouvoir passer dans une direction dans laquelle. C'est le seul chemin qui va être possible. Et là, le bruit des vignes se fait pressant. On y va. J'écrase l'accélérateur. Très bien. Est-ce qu'on a le moyen, avec tes équipements dans ta camionnette, est-ce qu'il y a le moyen d'enregistrer à un moment donné, ou avec nos portables peut-être, je sais pas si à l'époque ça, c'est possible, d'enregistrer la prochaine fois qu'il y a le son
pour le rejouer, nous, pour peut-être... C'est très bref. On est début des années 2000, c'est ça, non? 2005. 2005, s'il doit y avoir des enregistrements. Attends, l'enregistreur de ton téléphone va être un peu dégueulasse. Il faudrait... Bah, peut-être que t'as un dictaphone, est-ce non que, dans ton ouais, j'ai un enregistreur vocal ou un truc comme ça. T'as effectivement du matériel d'écoute. Ouais. Donc okay. Tu peux... Notamment pour voilà, je suggère contacter ça, là... les fantômes, ça doit servir aussi, ça. Donc, est-ce que même potentiellement, on peut enregistrer un peu tout le temps? Ouais, parce qu'il a des grandes bobines. Il y a de la durée d'enregistrement pour pouvoir... potentiellement okay. faire des surveillances. Donc, ouais. Si vous lancez le truc, vous pouvez okay, bah espérer je propose qu'on, capter... qu'on lance pour espérer avoir vraiment l'entièreté de la musique à un moment donné. Si on n'a plus de bande, au pire, on enregistrera sur ta cassette de Céline Dion, tu t'en remettras. Oh ouais. J'ai pas ça, moi. Le bruit étant, le bruit étant de plus en plus fort derrière vous, Linus enfonce l'accélérateur. Ouais. Et il va donc... écraser agir sous pression. Ah, ne te porte pas. C'est sûr de l'accélérer. Bah écoute, agir sous pression, c'est. Est-ce que là on peut aider aussi en même temps? Tu vas pas trop pouvoir l'aider sur une action de conduite. Cool. Ah, mais il peut utiliser un point de chance. Sous pression. Il peut utiliser un point de chance si après le résultat, s'il se rate. Alors, c'est après le résultat, sachant que j'ai fait 9, avec cool, ça me fait 10. Ouais, ça va. Tout va bien. Tu vas réussir à foncer. Ouais, c'est bon. Tu fonces dans la marée de rats. Je ne peux pas entendre les rats écrabouillés. Et effectivement, tu sens que l'adhérence du van est mise à mal. Des bruits horribles d'eau brisée. Ah. Je crois que juste avant l'impact, j'ai un petit moment de « Soyez témoins !» Witness Leroy Jenkins. Et tu vas pouvoir réussir à passer. Ah. Au moment où tu passes, tu vas voir dans ton rétro que du coup les rats ont été rejoints par les vignes et commencent à aller dans votre direction. Vous êtes au sud, vous avez passé le centre-ville, vous approchez donc eh bien, de là où vous avez passé l'après-midi, de la foire et de la forêt. Est-ce que la ça foire, ressemble à cet après-midi? Ouais, c'est ça, il y a toujours l'installation de la foire et tout. Il y a nos citrouilles. La foire est toujours installée, effectivement. Il n'y a pas une lumière. Il n'y a pas âme qui vive. Mais elle est là, effectivement. Okay. Et c'est bien la même foire qu'on avait le jour où on est parti. Pas une foire d'une autre année ou un truc comme ça. C'est exactement la même. Vous voyez les mêmes stands. Vous voyez les mêmes objets qui sont là. Vous croyez qu'il y a un lien et qu'il faut qu'on s'y arrête ou on continue? Eh bah, tout à l'heure, il y avait un gars qui jouait de la flûte. C'est vrai. Un conteur. Bah, je sais pas, on pourrait essayer de retrouver l'emplacement où il était à faire sa presta. Pas et... bête. Il y a genre un grillage pour rentrer sur le lieu de la foire où on peut non, rentrer comme ça. On voit ça comme un grand pré qui a servi à accueillir. À accueillir les stands, il y a un peu plus loin, normalement, les caravanes des gens, des forains qui ont amené les... Ok. Bah, du coup, je vais peut-être me diriger vers les... Alors, soit vers les caravanes ou vers l'endroit où il était, le compteur. Ok. Je pose la question. Mais là, on est toujours en voiture, si. On est toujours en van, hein, bien sûr. Oui, il va falloir descendre du van, évidemment. Ah, il va falloir descendre. Bah ouais, c'est ça la question. C'est est-ce que le van va pouvoir rouler là-dedans? Il va pas passer là-dedans. Le pré, en plus, est détrempé. C'est vraiment devenu de la bouillasse. On va s'embourber, quoi. Bon, tu dois investir dans des pneus tout-terrain, quand même. Hein. Ouais, mais le problème, c'est pas forcément les pneus. Ça va être le moteur, je pense. On se gare au plus près. Moi, je sors donc un manteau pour la pluie. Je prends, j'ai un espèce de casque relié à un truc pour repérer le son, tu vois, et essayer de repérer la direction si jamais il y a un son suspect pour ça. Et, il fait nuit noire et il pleut. Et je prends quand même, je suis pas fou, je prends quand même mon 9 mm et mon couteau de chasse. Moi je sors mon trident, normalement il brille, ça fait de la lumière. Effectivement, il va dégager une lumière, ça va vous permettre
de torche. De vous faire repérer. Moi, je vais pas avec eux. Moi, je me mets sur le toit du... Du van. Du van, voilà. T'as envie de finir voudrais... comme policier, toi ? Non, mais je voudrais lancer un mur le plus loin possible pour nous donner un peu du mou... Enfin, nous donner un peu de temps... Relancer un mur de glace. Ouais, alors là, relancer ça va être... un mur de glace. Il fait combien de... Tu vas pouvoir effectivement aller au... Il y a une rue qui mène au pré, donc à l'entrée de la rue qui est un petit peu loin, tu vas pouvoir essayer de lancer ce mur de glace. Pour essayer de nous faire gagner du temps quand ça arrivera sur notre tronche. Oh. Ok. Alors, je suis pareil. Et puis nous, là, faut qu'on fouille. Hein. On fouille. C'est un 10 pour le mur. C'est un 10, et ben, à nouveau, tu réussis à faire ce mur de glace. Et moi, je reste là parce que je reste près du van. Au cas où il y ait re-le-son pour que si jamais ça le recorde, que je l'embarque avec moi après. Ok. Bon, bah, on cherche le stand du flûtiste. Hein. Ouais. Ouais. Vous allez pouvoir avancer, et Goldie, avec ton appareil auditif. Enfin, oui. Tu vas commencer à entendre, effectivement, des petits murmures. Ah. À droite, à gauche. Putain, on avait raison, c'était là. Et le trident de Lexi, en vous éclairant, va faire apparaître des ombres qui ont l'air de courir le long des stands fermés. À nouveau, des ombres d'enfants. Ah putain. Qui semble fuir votre arrivée. C'était la lumière. Hein. Alors, les enfants dans la légende du flûtiste de Hamelin, c'est pas eux qui sont envoûtés par le flûtiste et qui le suivent. On devrait peut-être suivre. Normalement, c'est ça. C'est qu'en fait, dans le flûtiste d'Hamelin, c'est il était appelé pour dératiser la ville. En gros, les mecs ont pas voulu payer et en fait, il emmène tous les enfants ailleurs. Ouais, mais on va peut-être suivre les enfants. Je crois qu'il est fait se suicider à un moment parce qu'il y a une version un peu plus. Vous avez étudié ça au lycée, en seconde ? Moi, ouais, j'ai pas dans la même classe. C'est des comptes importants à connaître, chère Amélie. Ah. Et vous continuez votre avancée, donc vous reconnaissez tous les stands où vous êtes allé depuis le début. Est-ce qu'il reste les pluches ? Et là, ce qui vous surprend, c'est que la scène... Tu veux un loup ? La scène où avait été ce compteur est la seule chose qui n'existe pas. Ah ! Putain, on l'a halluciné ou quoi ? C'est dans notre veine. Bah non, mais justement, c'est bien ça qu'il faut qu'on trouve. Si elle n'est pas là, bah oui, c'est mais que... Le problème, c'est qu'elle n'est pas là où elle est censée être. Oui. Mais si elle n'est pas là, c'est peut-être que justement l'homme qui la tenait fait un peu partie des deux côtés du voile, tu vois. Et donc, ouais. Vu qu'il était de l'autre côté, il n'est pas forcément installé là, tu vois. Cette... Il n'est pas là, c'est qu'il est ailleurs, c'est logique. Cette scène, en fait, maintenant qu'elle n'est plus là, vous voyez qu'elle était mise... Eh bien, à l'orée de la forêt. Non, ils sont dans la forêt. D'ailleurs, on va tout y aller. Ça sent ça, ouais. Bah ouais, mais déjà, Juliette, elle nous parlait du portail dans le bois. C'était sûr. Ah, est-ce ça, que t'en penses? Ouais, mais quelque part, je préfère être dans la forêt avec les bracelets, si ça nous protège dans la forêt et pas ailleurs. Les murmures, ça tire... Ça les murmures tirent vers la forêt. Les ombres que vous voyez fuir... se dirige aussi vers la forêt. Ok. On se retourne peut-être pour dire Lizzie, faut qu'on aille dans la forêt. Ok. Je la rejoins. Non mais. Ok. Bon, du coup, je dis, ça me fait un peu. Ça me fait un peu. Je peux pas du tout. Ouais, je peux pas du tout prendre la caisse pour essayer de la rapprocher parce que c'est que du champ après c'est la forêt. Ouais, quoi. C'est vraiment du champ boueux et puis c'est pas assez large entre les stands pour passer. Ça me fait chier parce que du coup on pourra pas enregistrer si jamais il y avait besoin quoi. Après il y a du matériel portable aussi, il y a sûrement un... Eh ben je prends mon épée. Ouais. Je prends mon épée et je prends du matériel portable pour enregistrer au cas où. Voilà.
Okay. Jamais. Mais sachant que moi, ce que j'avais, c'est déjà du matériel qui permet aussi d'enregistrer. Donc, j'ai ça enregistre ce que t'as. Je crois que c'était juste pour écouter. Bah, j'écoute, loin. Mais c'est relié à un petit enregistreur aussi. Ok. Bon, je prends. Ça mange pas de pain d'en avoir deux. Écoute. Alors que vous êtes réunis à la lisière de la forêt, eh bien justement, vous entendez à nouveau parfait, ce bruit de flûte que vous parvenez à enregistrer. Yes. Et juste derrière ce bruit, un craquement fort, les arbres, les vignes ont passé ton mur de glace. Moi, j'essaie d'en relancer un deuxième pour au moins nous donner un peu de mou, mais il va falloir qu'on trace un peu, quoi. Rapprocher, courir, ouais. Il n'y a pas le temps, on court dans la forêt, on court dans le bois. Ouais. Et vous allez pénétrer dans la forêt. Oui. On est piégé. Et à ce moment-là, je vais vous demander à chacun un test d'agir sous pression. Attends, j'en ai un qui est cassé. Agir sous pression. C'est toujours cool. Donc, ça me fait 7 plus 1, 8. Tu prends une moyenne de groupe ? C'est du cool qu'on met. C'est du cool. C'est pas cool. Le cool, c'est pas cool. Pense à gagner tes points quand tu échoues. Hein. Ouais. Je vais gagner du galon là. Ah, j'ai gagné un bon galon là. D'ailleurs, c'est mon dernier carré. Tu as fait combien 3. 3, tout pile. J'ai pas de cool, donc 3. Et Lizzie ? J'ai fait un 10. 10. Mais t'arrêtes une pas réussite. Ça enchaîne les réussites là. Bah ça marche mieux que mes dés en fait. Ah oh, putain, je devrais faire ça. Pour Lizzie, tout va bien. Ok. Ouais. Pour Linus, tout va presque bien. Ça va, mais il sait pas pourquoi, il se sent un peu démoralisé par rapport à ses habitudes. C'est pas le premier mystère sur lequel il enquête, et là il a l'impression d'être dépassé. Est-ce que c'est la mort du shérif violente ? Est-ce que c'est le fait de ne pas croiser âme qui vive ? Mais dans cette forêt, il est soudainement pris par un coup de désespoir. Ok. Lexi, elle... Elle revoit les images des rats écrabouillés dans sa tête. Elle a les images des rats écrabouillés dans sa tête. Elle repense... Il y a un rat qui m'en sort bien, en fait. À là d'où elle vient, au mépris que certaines des... Que certaines des personnes des cieux ont pour les basses créatures terrestres, et elle se demande si elle va pouvoir faire face à nouveau à cette situation. Et tu vois ton trident qui commence à rétrécir. Il est plus petit que ce qu'il était. Et pour Lee, il s'est recroquevillé. Il y a quelque chose qui commence à s'agiter en lui. La menace pesante. C'est le hot dog. La forêt. C'est bon. Vont commencer à faire ressurgir une certaine sauvagerie. Et il va falloir qu'il arrive à garder le contrôle. Vous venez d'entrer dans la forêt de West Hill, guidé par des ombres étranges, des murmures inquiétants et un bruit de flûte qui vous intrigue depuis que vous êtes sorti du bar Le Grand Bison Blanc et que vous êtes seul ou presque dans la ville. Déjà, il n'y a plus de cris d'enfant, moi j'adore. Avant de poursuivre directement l'aventure, un petit aparté pour Lycanthrope qui a gagné 5 points de galon en ratant ses jets de dés. Et dans Monster of the Week, les avantages sont immédiats à partir du moment où on a 5 points de galon. Tu vas donc pouvoir voir dans tes améliorations des choses qui te sont proposées. Tu peux prendre un point de charme, un point de cool, un point de futé ou un point de coriace. Ok.
tu peux prendre une autre manœuvre supplémentaire de tes manœuvres spécifiques de ton archétype. Tu peux prendre éventuellement une manœuvre d'un autre livret. Oh! Ah, y a des... Je peux prendre vraiment une nouvelle manœuvre, comme ça, c'est... Tout à fait. Gratos. Et sinon, tu peux gagner un refuge. Donc, à la manière de notre cher Linus qui a son van, toi, tu peux avoir un lieu qui t'est propre. Non, mais ça va, je suis un peu louérant, moi. Et une atout, sinon, une attaque naturelle que tu peux choisir en plus. Ok. Donc si tu prends une manœuvre supplémentaire, il faudra dans ta fiche de personnage que tu coches la manœuvre que tu prends, mais ouais. aussi que dans la colonne amélioration, tu coches le fait que tu aies pris une manœuvre. Pour que tu vois que le choix est disponible deux fois, comme ça il sera plus disponible qu'une seule fois. Ok, dans la colonne amélioration. Ah oui, je vois, en effet. Prends le temps, on va te laisser regarder ça, hein, mais on va avancer doucement parce que je sais que les choix sont nombreux, donc c'est pas forcément, forcément des plus simples. Vous êtes donc dans la forêt. Vous avez été guidé par toutes ces ombres d'enfants de la foire qui ont filé vers la forêt et par la disparition d'un seul stand, la scène du conteur à la flûte qui vous a indiqué un passage vers les bois. Vous continuez à avancer dans la nuit, dans la pluie, sous les arbres. Votre progression est difficile et peu rassurante, particulièrement pour Linus, qui se sent un peu découragé, démoralisé en ce moment. Vous allez continuer à avancer. Je tiens la grenouille. Et puis... vous allez commencer à entendre le seul bruit d'animaux que vous n'avez pas encore entendu. Vous n'avez pas encore entendu d'animaux dans cette forêt. Vous entendez devant vous. C'est par la pince, un grognement. Un grognement. Un léger grognement. Ah, chouette. Je sors mon 9 mm. Sors mon mini trident. Ce grognement. Ça te parle, ce grognement ? Je mets mon coup de poing américain dans ma main. Ça ne vous parle pas. C'est un petit peu animal. Il a l'air de tourner autour de vous. Au début, vous l'avez entendu devant. Et puis, assez brusquement, derrière. Sans trop de voix. Oh. Et puis. Sur un malentendu, je joue la musique de la flûte que j'ai enregistrée. Plusieurs, non ? Tu vas essayer de remettre. L'enregistrement de la flûte. Je crois que ça va faire grand chose parce que l'effet est différent à chaque fois, même. Mais il se passe rien. Ouais. Je dois avoir une. Il fait sombre, il fait comment d'ailleurs dans cette forêt ? Ah, il fait nuit. Il fait nuit. Il fait nuit, okay. Il flotte, donc il fait nuit noire, je pense. Et on a le trident qui n'éclaire plus. S'il ouais. éclaire toujours, mais il a rétréci. Il a rétréci, ok. Je dois bien avoir une lampe. Dans mon paquetage. Dans ton sac, t'avais une lampe okay. de poche. Bon. Alors je sors la lampe et je la positionne au-dessus là, et puis je suis comme ça. Comme dans les séries américaines. Je scanne un peu tout, quoi, comme ça. Comme dans les séries américaines. Tu vas avancer doucement et soudainement, ta lampe va attraper quelque chose dans son faisceau. Ah! Alors il va y avoir un éclair, quelque chose va se mettre à briller. Je suis le seul à avoir perdu Lexi ou pas ? Voilà. Je alors, profite voilà. pour dire que je choisis la manœuvre immortelle. Très bien. What ? Donc je ne vieillis pas, je ne tombe pas malade et je subis moins 1 de dégâts à chaque fois que je subis des dégâts. Pas mal. T'as peur de t'en prendre plein la gueule là dans la forêt, c'est ça ? C'est possible. Et donc alors que tu balayes les bois avec ta torche, soudainement, tu éclaires une grande rangée de dents pointues. Bon, bon, bon. Je tire direct. Tu tires direct. Très bien. Et bah si tu tires direct, tu vas pouvoir me faire un casser la gueule. Ah ouais, pas sous pression.
Casser la gueule, j'ai plus 0 je crois, donc Oh bah 9. Tu vas avoir le temps, t'ajustes, tu vises, tu tires 3 balles de 9 mm. Elles vont aller malheureusement se planter dans des arbres car les crocs ont immédiatement disparu. Ah mince. Et tu vas soudainement être pris d'un cri de douleur à ton mollet. Tu vas regarder à tes pieds et tu vois un chat gigantesque qui a planté ses crocs dans ta jambe. Je réoriente mon pistolet, tu prends tire. 2 points de dégâts. Je viens l'aider. Ouais, he's ok encore. Je suis vraiment dans la partie encore ok. Mais bon. Je viens l'aider pour lui donner des coups de tatane. Ok, et bah tu peux attaquer la créature aussi. Donc tu vas faire également un casser la gueule. Alors, du coup, je lance mes dés. Mais je vais utiliser ma force surnaturelle. Rappelle-moi les manœuvres. Il y a besoin de. On peut les utiliser autant de fois qu'on veut ou c'est limité? Je me rappelle. Il y a pas de limite. C'est le même principe que les manœuvres génériques. Elles sont spécifiques à toi, sauf si c'est écrit une fois par jour ou. Mais c'est rare. Donc je relis hein, juste pour expliquer. Mais donc force naturelle. Donc vous lancez 2 dés plus bizarre au lieu de coriace quand vous voulez casser la gueule à quelqu'un. Donc du coup je vais rajouter mon bonus de bizarre parce que je suis très bizarre. J'ai fait 9, naturel. Plus 3, du coup 12. Oh, joli. T'as plus 3 quoi, en bizarre toi? En bizarre, ouais. Je suis très bizarre. Très bizarre. Bah, tu auras réussi effectivement à frapper la bestiole avant qu'elle ait le temps de réagir. Ok. Au niveau dégâts, comment ça se passe? Parce que j'ai un coup de poing américain. Tu fais 2 de dégâts, si je dis pas de bêtises. Ok. Il y a plus 1 à tes dégâts par ton. Avec mon coup de poing, ouais. Américain. Ok. Immédiatement après que tu l'aies frappé, la créature disparaît. Ouais. Chez. Ça va, Linus? Ah, ça fait mal. Bah ouais, j'ai vu ça. La voyez réapparaître un peu plus loin. Sur la branche d'un arbre. Ok. Donc c'est d'elle que venaient les grognements? C'est d'elle que venaient les grognements, effectivement. Est-ce que je peux utiliser ma capacité to bib sur moi? Tu peux l'utiliser sur toi-même, tout à fait. Ok. Du coup, je lance 2 dés plus cool. Sur 10 ou plus, j'élimine 2 de dégâts. Sur 7 ou 9, j'élimine 2 de dégâts. Ou je stabilise le patient, mais bon, j'imagine que je suis stabilisé là. Tu n'as pas de blessure grave pour le moment. Ok. Donc effectivement, tu n'as pas besoin d'être stabilisé. En cas d'échec, j'inflige 1 dégât. Ouais. Donc, espérez pas faire d'échec. Celui-là, il est fait. Oh bah, j'ai fait 11. Plus cool 1, donc 12. Je regagne mes 2 points quoi. Ok. Je me fais un bandage de fortune sur le moment. Hop. En te voyant faire le bandage, la créature soudainement, réapparaît plus près de vous. Bah alors, vous êtes un peu tendu, non? Balade en forêt. Je suis tendu, ouais. Mettez une liesse à votre chien. On est tendu quand on se fait mordre. Excusez-moi, cher monsieur. Moi, je m'approche comme ça, un peu curieux de voir qui sont ces petits visiteurs. Et voilà que vous me tirez dessus. Je vous ai mordu. L'instinct a pris le dessus, permettez. Excusez-moi, mais vous avez tout pour faire peur en même temps, il faut le dire. Tout pour faire peur. Et là, tu vois que la forme qui était encore un peu floue dans la nuit prend vraiment une forme de chat. Vraiment très, très distincte, légèrement luisante dans le noir.
tout pour faire peur, regardez. Un beau matou comme moi. Oh, oui. Vraiment. Mais vous avez... situation, on peut estimer la situation qui craint, là, parce que je trouve que ça craint. Vous avez une gueule effrayante quand il s'agit de la découvrir par hasard dans le noir avec une lampe. Ah bah, je prends soin de mes crocs, alors forcément, ça mm-hmm. brille. Mm-hmm. C'est... Alors, je range le 9mm, vu qu'il a l'air de vouloir parler. J'ai rangé mes points. Et vous êtes un peu vieux que... pour être ici, c'est surprenant, en cette saison. Vieux ? Vieux ? Bah oui, généralement, ceux qui sont appelés à entrer dans ces bois en cette période de l'année sont plutôt en culotte courte, babillent et rigolent. C'est-à-dire en cette période de l'année, qui les appelle dans ces bois ? Oh, qui les appelle, mais qui les appelle ? Vous n'avez pas entendu ? Si, la flûte. Mais bien sûr, la flûte. Bon, c'est pas qui. Mais qui est derrière la flûte ? Le flûtiste. Oh, réfléchissez. Bah, le flûtiste de Hamelin ? Eh bien voilà, notre cher Hamelin, bien évidemment. D'accord. Il est un petit peu en avance cette année. Et oui. D'habitude, c'est le 31 qui vient faire la collecte. Mais à force d'être contrecarré par des rituels... par ces Dakota qui veulent pas qu'on puisse emmener quelques enfants une fois par an. Il a décidé de les prendre de court cette année. Il est arrivé avec un peu d'avance. Voilà, d'accord. Il est malin notre Hamelin. Et le shérif, il a été pris de court lui aussi ? Ah ? Un shérif. Plus. T'es... Oui, mais il était pas en culotte courte lui. Oh, c'est surprenant ça. Maintenant on retrouvera peut-être que sa culotte d'ailleurs. Ouais, dommage pour lui, il aurait mieux fait que le charme agisse et qu'il reste tranquillement dans sa maison. Qu'a-t-il rencontré ? Les vignes ? Les rats ? Les un rats. Peu des deux. Les rats. Oh, parfait. Ils auront été bien nourris. Pour moi, ce sera une chasse délicieuse. Et il y aurait moyen que vous nous accompagniez jusque à ce Hamelin ? Oh, certainement pas, moi je ne vous accompagne pas. Est-ce que vous pourriez peut-être nous aider ? Vous avez l'air d'aimer jouer. Et d'aimer ce qui... Oh oui, j'aime jouer. est-ce que peut-être vous pourriez nous aider à jouer un tour à Hamelin ? Ah, oh, jouer un tour à Hamelin ? Intéressant. Non, mais non, j'ai besoin de lui. Et pour quelle raison ? Pour quelle raison ? Mais pour qu'il ouvre le portail. Moi, je ne vis pas ici. Ah ! Alors, où vivez-vous ? Qu'est-ce que vous faites là ? Bien, je vis parmi les elfes, dans le royaume des songes. Hamelin, lui, vit chez vous. Il a eu l'erreur de déplaire à Oberon il y a quelque temps. Depuis, il n'a plus accès au royaume. Qui est Oberon ? Le roi des elfes, c'est ça ? Bien sûr, tout à fait, Oberon. Le grand Oberon, roi des elfes. Et pour mais tenter où, de se racheter... Si on n'est ni chez nous, ni dans le royaume des elfes. Ah, mais vous êtes chez vous. Seulement, avec l'ouverture du portail, nos réalités se sont un petit peu mêlées. C'est Hamelin qui a appelé l'ouverture. Est-ce que les choses de notre monde... se trouve forcément dans cet entre-deux-mondes ? Eh bien, il y a des choses de chez vous, il y a des choses de chez moi. Et donc, vous cherchez à ce que le portail soit ouvert pour retourner dans le pays des songes ? Non, moi je profite de l'ouverture pour venir voir un peu ce qu'il y a par ici, de temps en temps pour m'amuser. Je n'ai rien à faire dans l'histoire. Hamelin, lui, par contre... s'il veut un jour pouvoir rentrer, doit amener assez d'enfants à Oberon. D'accord. Donc vous êtes juste là pour vous délecter du spectacle, quoi. Voilà, je me dégourdis, je me réjouis, je me distrais, je me divertis. Insupportable. Donc vous n'avez rien à nous apporter. C'est ce que j'allais dire, on apprend rien. Il n'a aucun intérêt, lui.
Je n'ai d'autres intérêts que... Aucun autre intérêt que les miens, voyons. Pff, à quoi bon? Alors, vous nous diriez d'aller plutôt à gauche ou à droite à cette intersection? À gauche ou à droite? Aurais-je envie de vous indiquer? En même temps, le chemin le plus long est peut-être le plus divertissant, qui sait? On ne sait pas, on ne sait pas. D'accord. On ne sait pas. Bon, en cas de doute, je vais suivre mon flair. Ah. Oh. Un patatouin. Et peut-être bien que vous allez avoir des nouveaux amis pour vous accompagner. Des amis-amis? Non, oh. Ici, c'est pas le bon état. Ceux-là, je crois qu'ils sont de chez vous. Tiens, je lui mets mon bracelet en if blanc sous le museau, là. Alors, le truc, c'est que maintenant, on est dans la forêt. Donc, en théorie, le bracelet, il nous protège. Bah oui, c'est ça. Les choses de la forêt. Mais exactement. Lui, c'est pas un esprit de la forêt, lui. C'est bah, un esprit il est là. Du monde des elfes. Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est que ça n'a rien fait hein, quand il m'a mordu. Hein, donc, Oui, mais t'as mordu à la cheville. Fallait peut-être le porter à la cheville. Quand tu lui... tu approches le bracelet, tu vois le chat qui renifle. Ça vous dit quelque chose? Oh... Mais voilà pourquoi vous n'êtes pas endormi, pourquoi vous êtes ici. Ah, c'est juste ça. Mais forcément, les protections de la forêt ont aussi un peu d'influence sur les frontières avec le monde elfique. C'est pour ça que le shérif, il devait être connu de Sally. Et il avait c'est une étrange coïncidence. C'est peut-être même la première fois que ça arrive. Je pense pas que ça a été fait à dessein. Mais vous voilà... Eh bien, écoutez... Un peu protégé des elfes, un peu éloigné de chez vous, et donc vous avez atterri ici. Ok. Ça veut dire que nos potes Sally et tout, et ils ont aussi potentiellement pu être emmenés ici. Oui, mais ils sont dans le bar, enfermés. Par contre, eux, ils devaient être en galère dans le bar. Oh, ça se rapproche. Je crois que je vais vous laisser. Oui, on va peut-être s'avancer, ouais. On continue d'avancer, ouais, parce que... Et là, hop, le chat est devenu invisible. Super. On va peut-être continuer d'avancer, du coup. Hein. Bah, on continue d'aller dans la direction. Moi, je peux sentir un peu qui c'est qui approche. Qui c'est qui... Est-ce que tu reconnais l'odeur de Savannah qui t'a ça... la gueule tout à l'heure? Tu peux, Savannah, agir, mais... tu peux agir sous pression, effectivement. Parce que là, vous êtes quand même sous... De mémoire, j'ai Juliette, elle a... J'ai pris du galon. Chouette. J'ai fait 4. De mémoire, Juliette, quand on l'avait rencontrée, elle avait pas un truc chelou avec les serpents? Les serpents? Oh là là, la mémoire. Ouais. Aucune idée. Loulou, les serpents. On dit rien du tout, non. Et qu'est-ce qu'elle disait par rapport aux serpents? Elle avait des yeux de serpent ou elle avait un truc de métamorphose de serpent ou je sais pas quoi. Ah, un genre de basilic. Donc... Ouais, c'était donc son truc, elle. Peut-être un loup aussi ou un truc comme ça. Elle. Non, mais peut-être qu'elle est... je ne sais pas, mais elle a peut-être des trucs de métamorphe. Bon, en tout cas, elle est sous pas pression, là. Lynn a été incapable de savoir si c'était une menace ou pas. Mais je prends du galon. Et moi, j'avais fait un jet pour évaluer une situation qui pue. C'est pas ça l'intitulé. J'ai manqué. Parce que la situation qui pue... C'était tout à l'heure sur scène. Tu avais fait combien? J'avais fait un 7, ce qui est pas ouf. Tu avais fait un 7. Mais ça fait une question, quoi. Une question possible. Effectivement, tu peux me poser une question sur la... Alors, les types de questions, c'est quelle est la meilleure façon d'entrer ou de sortir d'ici, mais bon, c'est déjà ça. Entrer, on n'a pas voulu, on y est. Sortir, on sait. Des dangers qu'on n'a pas encore remarqués, peut-être ça peut être utile de savoir. La plus grande menace, j'imagine que c'est Hamelin et ce qu'il peut faire avec sa flûte, donc bon. Non, peut-être qu'ils vont me dire que c'est le chat de Cheshire, finalement, la plus grande menace, si on le provoque, mais... C'est un peu subjectif, ouais, là, au contexte. Moi, j'aurais bien aimé demander comment on pouvait se protéger des choses qui pouvaient nous arriver, style un chat qui vient te mordre la jambe. Parce qu'il y a peut-être d'autres trucs. Parce qu'il dit, vous allez avoir de la compagnie, c'est peut-être pas des trucs gentils qui arrivent sur notre gueule. Du coup, d'ailleurs, le grognement qu'on a entendu tout à l'heure, c'était son ronronnement ou c'était vraiment un grognement? C'était lui. Mais c'était un ronron ou c'était un grognement? C'est lui qui grognait pour se moquer un peu de vous. Ah oui, d'accord, ok. Alors, qu'est-ce qui vous intéresse, les amigos? Les dangers qu'on connaît pas, éventuellement. Est-ce qu'on demande s'il y a d'autres menaces? Ouais, voilà. Moi, ça me paraît pas mal. Ok. Pour le reste, après, pour le moment,
faut qu'on avance. J'aurais dit où trouver le portail, hein, où trouver Amelin. Je veux pas avoir ça. Là, c'est une situation qui craint, c'est pas enquêter sur un mystère. Pour le reste, sinon, faut qu'on avance. Hein. Pour moi, il n'y a pas de... Bah, oui, on avance. De toute façon, on avance dans la direction. Alors, où se trouve la plus grosse menace? Et donc, la question, c'est est-ce qu'il y a des menaces qu'on n'a pas remarquées? Ok. Il y a des menaces que vous n'avez pas remarquées, effectivement. Y a-t-il des dangers? Oui, voilà. Vous voyez pas lesquelles? Les racines dans lesquelles vous pourriez vous prendre les pieds. En enquêtant sur un mystère, tu te rends compte que... tu vois que les arbres commencent à changer. Ah, punaise. Et que là où il y a des nœuds dans le bois, sur certains troncs, tu vois qu'il y a des yeux maintenant. Ouais, bon, on est dans la forêt qui a servi à la fois à Alice au Pays des Merveilles et aussi à Blanche-Neige. Bon, bah, du coup, il faut qu'on avance. Il y a des arbres chelous comme ça dans les deux contes? Dans Blanche-Neige, oui. Il y a des arbres avec des yeux. Bon, eh ben, on avance. Oui, on avance. En tout cas, dans le Disney, hein, il y a des arbres avec des yeux. En surveillant les yeux. Et des branches qui font peur. J'avance en surveillant les yeux pour voir s'ils nous suivent vraiment du regard. Et j'avais juste une question. Les enfants qu'on a vus, on a vu d'autres, les autres, enfin, du coup, qu'on a vu, qu'ils ont vu, parce que moi, j'étais pas avec leur tête. Je peux pas poser la question. J'ai pas vu d'enfants, je ne sais pas. C'était uniquement des ombres. Mais je pense que... On voyait pas de vêtements. Bah, en fait, le truc, c'est que vu que quand ils m'ont touché, bah, la petite fille qu'on avait vue, elle était des années 60 ou 70, je sais plus. Non, du 20e siècle. Début 20e siècle. Début 20e, bon. Bien avant 60 ou 70, autant pour moi. Et quand elle m'a touché, elle était très froide. Donc je pense qu'en fait, il n'y a pas seulement les nouveaux enfants qui fait venir, mais aussi ceux qu'il a pris depuis très longtemps, qui sont morts depuis... Ouais, qui sont là aussi. Ouais. Donc faut qu'on se méfie parce que potentiellement ces prisonniers sont aussi ses gardiens aujourd'hui, quoi. Ouais. Bah, le truc c'est qu'ils vont vers. Bah, en théorie, à mon avis, on devrait pouvoir réussir à peut-être monter des enfants contre lui, quoi. Parce que là, ils vont tous vers où on va, hein. Les enfants allaient tous vers le sud. Ouais, mais ils sont charmés, alors je pense qu'il faut faire ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire casser la flûte. C'était l'objectif. Il faut briser l'enchantement. Il faut la trouver en physique. Ouais, ouais. On lui chope la flûte et... Bon, ben, on continue. Alors, pour l'instant, on n'a pas forcément les racines dans le dos. D'ailleurs, peut-être que les racines s'arrêtent à... Enfin, les ronces, peut-être qu'elles s'arrêtent à la forêt, je ne sais pas. Effectivement, depuis que vous êtes entré dans la forêt, vous n'entendez plus le mouvement des racines qui poussent. Du coup, je remets mon casque avec le truc pour repérer le son et j'essaye de repérer à nouveau peut-être des rires d'enfants ou tu vois le peut-être un son de flûte éventuellement. Le chant des enfants. Ouais. Voilà. Tu vas effectivement plus le chant des enfants, ouais. Vous allez continuer à avancer, effectivement. Et tu vas entendre quelque chose, effectivement. Elle a perdu quoi? J'ai pas bien compris. Son daddy, son père. Tu entends une petite fille qui aurait perdu son ours en peluche. Un teddy bear. My teddy, ok. Donne ton lapin. Tu vois, c'est l'avantage d'avoir pris un crapaud. Personne n'en veut. Lapin. C'est une peluche, ça peut faire plaisir. Lexi, j'ai pas un ours, moi j'ai un lapin. Bah ouais, lapin. Bon, on ça avance, je leur donne la direction, c'est non, par là. Mais elle est méchante, Lexi. Je leur dis, c'est par là, j'entends une petite fille qui a perdu son ours en peluche, donc continuons dans cette direction là. Au pire, on prendra le lapin et on lui mettra des poils que j'ai sur moi, on colle sur le lapin et ça fait un ours. Vous allez avancer plus profondément, du coup. Ouais, dans la forêt. Tu ne l'as pas laissé dans le camion, ton lapin? D'ailleurs, parce que c'était un gros lapin. Donc, ouais. Oui, c'est vrai que c'était un peu gros. Bon, continue. Est-ce si qu'il y a moyen... Si vous suivez ces cris, c'est plus dans la forêt encore. De toute façon, on n'a pas d'autres pistes, de toute façon. Ouais. Et juste une question avec mes connaissances en magie. Est-ce que je sais comment on peut potentiellement se faire ami avec un esprit? Jouer avec lui. Les esprits sont souvent
des elfes qui ont été traumatisés. Pour communiquer avec eux, il faudrait réussir à les apaiser. Donne-toi. Moi, j'ai la compétence apaisée. Certaines personnes généralement ont une compétence pour apaiser. La manœuvre. Généralement, ils sont à la recherche de quelque chose. Moi, j'ai apaisement. Quand vous parlez à quelqu'un d'une voix calme pendant quelques secondes, vous l'apaisez. Bon, vous laissez pas dire sa colère ou toute autre émotion négative. De parler aux enfants, toi, quand on en voit, avant qu'ils s'enfuient. Ah ouais, j'avoue. Bah, là, le prochain grand fond. Allons voir celui-là. Mais bah, justement, on en a trouvé. On se dirige dans cette direction-là et on te laissera agir. Au pire, on donnera un crapaud. J'adore ça. Vous allez avancer dans les bois, effectivement, et plus vous avancez au cœur de la forêt, plus vous voyez, sur les arbres, ces yeux qui vous suivent. C'est pas bon, ça. De certains yeux, même, les arbres aussi. Vous commencez à voir couler une sève particulièrement rouge. Comme par hasard. Vous allez avancer, et puis vous allez à nouveau entendre cette petite fille. Okay. Un peu plus fortement. Je cherche. Est-ce que bien c'est la même petite fille qu'au tout début ou pas pour Linus? Ou c'est vraiment. Vous n'êtes pas capable de discerner. Pour l'instant, c'est au son, hein, donc. Et au bout d'un moment, eh bien, vous voyez une lueur. Et cette lueur a la forme d'une petite fille qui, elle, semble encore plus ancienne. Oh punaise. Elle est habillée à la manière des premiers colons qui sont arrivés aux États-Unis. Ses robes noires très strictes. Elle est assise par terre. Elle tient une petite bougie qui brille faiblement. Vous voyez son dos qui est secoué de sanglots. Elle a pas des allumettes par hasard. Elle continue à parler dans le vide. Ok. Elle n'a pas remarqué votre présence pour le moment. Est-ce que l'un d'entre vous aurait un briquet ou quelque chose comme ça? Bah moi, pour allumer des bougies de manière générale, je devrais bien avoir un briquet sur moi. Je sais pas, on n'a pas d'inventaire précis comme ça, je crois, non? Non. Mais toi, t'as tout, non? Je t'attie, j'ai tout. peut-être que j'ai un briquet, je sais pas. Est-ce que j'ai un briquet ou est-ce que Lizzie a un briquet sur elle? Oui, on peut dire que l'un de vous, effectivement, a un briquet. Toi qui pars toujours avec ton kit, t'es normalement un peu toujours prêt. Ok, bah du coup, je sors, je dois avoir un zippo, peut-être. Je sors le zippo, je le maintiens comme ça, avoir juste la flamme et en fait cacher un petit peu le fait que c'est un zippo et essayer d'être un peu dans la même ambiance que la petite fille et je m'approche. Tu t'approches doucement, elle est toujours en train de sangloter. Alexis, de parler toute seule. Alexis va avec nous. Et du coup je demande bonjour. Ça va? Tu lui parles et la silhouette arrête de sangloter pendant un moment. Qu'est-ce puis elle se tourne vers toi. Tu cherches ton... Et tu vois qu'elle n'a pas d'yeux. Ok, donc je réprime un espèce de frisson que j'ai dans le dos. Elle continue à pleurer seule. Elle pleure mais sans yeux, d'accord, ok. oui, c'est et elle, c'est dur, j'imagine, oui, ça doit être douloureux. Elle continue ses phrases, ses sanglots, en tenant sa petite bougie, en tremblant. Ok, je m'approche et je lui dis, où as-tu laissé ton ourson la dernière fois? Tu vas essayer de me faire un jet de manipuler quelqu'un. Ah! Attends, ça relève de quelle compétence? De quel charme? Et charme. Ah, oh, ça va, j'ai plus un. 7. C'est le minimum. Ouais. Allez. Eh bien, ça passe. Mais
Elle s'arrête simplement de pleurer, elle ne te répond pas. Elle te fixe de ses orbites. Ce qui me glace encore plus le dos. Ce qui me glace le sang comme pas possible, ouais. Elle a les yeux qui... Enfin, les orbites qui te fixent et puis soudainement... Tu vas voir sa tête faire une rotation qui n'est pas adaptée à l'anatomie normale de son corps. Elle regarde vers un petit sentier. Sa tête, du moins, est tournée puisqu'elle ne peut regarder. Ouais. Son corps ne bouge pas, mais il y a sa tête qui bouge vers le sentier d'une manière pas du tout naturelle, c'est ça ? C'est ça. Et dans un bruit d'articulation qui se disloque, son bras tourne aussi. Te pointe le chemin également. Très bien. Et elle disparaît soudainement. Ah. Elle disparaît ou on la voit courir suite à la flûte. Elle prend le chemin de. Ah oui, non, elle s'en va, d'accord. Ah. Elle prend le chemin du chantier. Elle prend le chemin qu'elle a indiqué, en fait, c'est ça ? Voilà. D'accord, ok. J'ai l'impression qu'on résout une énigme à chaque fois que j'entends la flûte. Elle nous emmène pas dans des super ambiances, les résultats. Vous allez trouver la flûte enchantée. Et le chemin, on voit à quoi ça mène ? C'est dans le noir. Vous voyez qu'il y a comme une cabane à une vingtaine de mètres. Ok. Cabane. Il y a sûrement son ours là-bas. Elle est partie le chercher. Avec de la lumière visiblement à l'intérieur. Ok. Je ressors mon 9 mm. Je regarde le nombre de munitions. J'ai une question à Lee. Toi qui normalement te balades en forêt, cette maison existe normalement ou pas ? Non mais moi je suis adapté à la vie en société. Hein. Je fais pas tant que ça de rando forêt. j'ai juste un petit problème de pilosité et je reste assez jeune, mais. D'ailleurs, je crois qu'il préfère la montagne à la forêt. Moi, je n'ai jamais été assez dans la forêt pour savoir s'il y a une cabane dans la forêt, quoi. Alors, tu es plutôt, ça me parle pas. Montagne ou plage, toi, pour l'été. Je vais redemander à Lee et Lexi de me refaire un jet d'agir sous pression. J'aime pas ça. Moi, mettez la pression. J'ai ressorti mon 9 mm, je ressors la lampe aussi, tu vois, comme ça, et je me dis, ok, on va avoir besoin de On rajoute un truc et agir sous pression. Cabane. C'est quoi déjà ? Cool. Ah bon, bah j'ai fait 6. Merde. Cool. Eh, hey, j'ai gagné du galon. Pour Lexi, aucun changement. Son trident est plus petit que d'ordinaire, mais toujours capable, un peu plus grand qu'une fourchette, quand même. Sachant que c'est une fourchette à dessert, déjà. Imaginons que le trident est normalement une arme à deux mains. Tu tiens comme ça, et là, tu vas le tenir plutôt comme c'est ça. C'est la taille d'une épée, quoi, au lieu d'être plus un glaive. Ouais. Il fait froid, donc il est pas très grand. Redis-moi, Lee, ton score. Tu as fait 6. J'ai 0 en cool. Tu vas encore prendre du galon. J'ai gagné un point de galon. Putain, super, c'est je vais abusé, juste quoi. Devenir fou. Je vais juste perdre de la santé mentale au passage. Mais tu vas quand même commencer à saliver. Oh non. Il va nous bouffer. Avoir envie de mordre des choses. Ouais, d'accord, ok. J'ai pas une lanière en cuir ou un truc comme ça à lui tendre. Donne-lui ton crapaud. Oh non, pas mon crapaud. Tu vas égaliser le jambe. Tu es une espèce protégée. Tiens, donne ton lapin, toi. Vous êtes. Les hot dogs me suffisent plus. Assez proche, du coup, maintenant de cette maison. Ok. Sans la chair fraîche dans cette maison. Et quand vous vous approchez, eh bien, vous commencez à entendre une petite musique qui en émane. Différente de la flûte ? Mais toujours une musique de flûte. C'est du bois. Ok. Évaluer une situation. Tout à fait, évaluer une situation qui craint. Non mais j'aime pas du tout, hein, je suis désolée, mais bon là. Franchement, ça pue. Eh, ma canne. C'est un 10.
Lizzie, première de la classe, tout lui réussit. Mais tu gagneras jamais d'expérience à tout réussir. Oui, mais bon, peut-être pour ça évitera qu'on meure quand même. Ouais, moi j'ai résolu ce problème, je suis devenu immortel. Tu vas réussir à voir qu'il y a cette petite cabane, c'est une ancienne petite cabane de chasse, donc il y a une fenêtre, une porte, pas grand chose de plus. Mm-hmm. Tu vois par la fenêtre passer une silhouette qui semble visiblement en train de jouer de la flûte. Ok, donc potentiellement Ablin. Un enfant ou un adulte ? Je suis avec le flingue. Hein, un adulte. Ou pas ? Un adulte que... très élancé. On l'avait vu. Est-ce qu'il ressemble au gars qu'on avait vu pendant la automne fair sur la place Vous êtes un peu loin, mais il a pas l'air de lui ressembler. Parce qu'il avait plein de barbe et tout. Je me souviens qu'il avait de la barbe. Ah, mais c'était peut-être une apparence, parce que en fait, comme a dit le chat de Chasseur, il vient de notre monde. Si ça se trouve, dans notre monde, il a cette apparence-là. Mais dans l'autre monde, il a peut-être plus cette apparence élancée, etc. Et là, on a peut-être un entre-deux, tu vois. Un entre-deux. Tu veux lui tirer dessus, en fait, c'est ça? Oui, dans le doute, mais complètement. Moi, dans le doute, je tire. Les autres choses que voit Lizzie. Tu vois que autour de la maison, il y a c'est un petit peu plus dégagé. Les arbres sont un peu moins, c'est une petite clairière. Et il y a à nouveau pas mal de rats qui traînent par là. Ah oh, putain. Moi la question de que rats normaux pose... ou ils ont l'air d'avoir des mouvements bizarres, oui. Ils ont l'air de bouger normalement, mais leur présence, ils ont l'air de faire un peu du surplace. Oui, donc c'est pas très naturel pour des rats, quoi. Ils le gardent. Ok. Moi, j'ai peut-être... alors, en fait, en regardant mon inventaire, je m'aperçois que j'ai des grenades aussi. C'est quoi ce taré? Mais t'aurais pas pu les jeter sur les rats tout à l'heure. Je me dis que peut-être que... Bah, il est mort quoi qu'il arrive, donc... Peut-être que potentiellement... En fait, ce que je voudrais savoir, je voudrais m'assurer qu'il n'y ait pas d'enfants dans cette cabane. Même si des enfants, ils sont morts. Non, bah, peut-être pas, vraiment, pas parce qu'il a peut-être fait venir des enfants de nos jours, tu vois. Bah, pas... Il a peut-être tout juste envoûté et... Ils sont en transition, quoi. Mais a priori, en pétant sa flûte, ça annule tout. Et du coup, il y a une fenêtre, c'est ça, par laquelle Lizzie a vu... Ok. Pourriez vous approcher éventuellement. C'est une fenêtre avec une vitre ou c'est où il n'y a pas de vitre à cette fenêtre. Une vitre. Non, c'est vitré, oui, c'est une grande. C'est vitré. C'est une cabane de notre époque, donc. Alors je range la. C'est vétuste, mais c'est vitré. Je range la lampe torche pour pas être vu. Je m'approche. De l'endroit attends, et je veux... Attends. Ouais. Juste, normalement, j'ai le droit à 3 questions avec mon 10. Donc peut-être qu'on peut avoir des infos avant que tu arrives et que tu mettes les deux pieds dans le plat. Si tu peux savoir s'il y a des enfants, moi sinon je... Hop, peut-être. Après, je sais pas, c'est évaluer une situation qui craint. Donc est-ce que ça peut donner ce genre d'informations ou c'était plutôt enquêter sur un mystère qui m'aurait permis d'avoir... Bah là, ça va être plutôt sur la... Tu vois que ce que tu vois, c'est qu'il est pas sur ses gardes. En complément, d'accord, il est en train de jouer de sa flûte. Il a l'air plutôt d'attendre le temps qui passe. Ok. Et il a l'air d'être assez concentré sur son jeu, comme si presque c'était une nécessité de maintenir. Ok, donc a priori, si on l'interrompt et qu'on même tout simplement, genre juste on déboule, je pense qu'on peut l'éclater. Hein. Je te dis ça comme ça. Mais sinon, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est rentrer. Parce que c'est pas dit qu'une arme physique, ta grenade, ça marche sur lui. Bah, je ne sais pas. C'est peut-être pas le cas. Mais ce qu'on peut faire, sinon, si le but c'est de s'approcher suffisamment de lui pour pouvoir prendre la flûte et la casser nous-mêmes. Oui. Peut-être que. Il serait plus judicieux d'entrer en faisant semblant d'être sous le charme pour après pouvoir... Mais il va trouver que c'est une anomalie. Pourquoi des adultes seraient pris? On n'est pas des adultes, c'est pas normal. On est encore jeune. Et regarde, Lexi, elle paraît encore plus jeune que nous.
Non, non, moi je pense que s'il nous voit rentrer en mode on fait c'est semblant, pas parce il va... que j'ai choisi un lapin que... Il va griller qu'il y a un problème en fait. Parce que normalement, justement, il devrait attirer que des enfants. Si nous on arrive, il va se dire qu'on est là pour le contrecarrer en fait. Donc on va se. C'est perdre un temps, je pense. Donc du coup, on enfonce la porte, on rentre, on lui chope sa. Sa flaque. Et... Mais si jamais c'est pas Amelin. Bah si, c'est Amelin. Bah là, il y a personne qui joue si de la c'est flûte pas pour Amelin, aider. C'est pas grave. On aura pété sa flûte next et puis on pètera la flûte. Voilà. Mais c'est peut-être le gars qui peut nous aider à vaincre Amelin ou à nous dire c'est quoi son ouais, point faible. Parce que les rats, ils bougent pas et lui, il fait de la flûte peut-être pour les éloigner s'il a peur de s'arrêter de jouer de la flûte. Pas faux. Je remets le casque et le truc pour repérer les sons. Ah oui, j'essaye de détacher mon attention de la flûte pour essayer de voir si j'entends d'autres bruits autour de lui, peut-être des murmures, soit des enfants qui seraient autour. Peut enquêter sur un mystère. Ouais, bah je vais faire ça. Il faudrait voir si on entend le bruit de la flûte d'Amelin pendant que lui il joue de la flûte. Alors enquêter sur un mystère, rappelle-moi, c'est futé. Futé, tout à fait. Ça fait 9 au total. 9, donc tu as une réserve. Tu peux me demander une chose que tu veux tenter d'identifier. Ok, est-ce que j'entends des murmures ou des pensées, pensées peut-être pas, mais des murmures d'enfants autour de celui qui joue actuellement de la flûte à côté de nous là. T'entends pas de paroles. Mmh. Par contre, tu entends des respirations. Ah. Ils sont plusieurs. Ils dorment. D'accord. Ils sont assez calmes. Donc, on oublie la grenade. De toute façon, moi, j'avais déjà réglé le problème depuis le départ. Hein. Et on envoie j'avais trois grenades. Donc, ce que je propose. Ce que je propose, comme c'est pas forcément bête ce qu'a dit Lexi. Peut-être que il y a un garde les rats. L'idée, ça serait de faire un mur près de la. Est-ce que t'as pas un la sort truc pour qu'en fait, si jamais ils se réveillent les rats et qu'ils veulent attaquer, bah il y a le mur, donc ils vont mettre du temps. Mmh. Et pendant ce temps-là, vous plaquez le. Est-ce que t'as pas un sort sinon pour l'immobiliser lui? J'ai moi pas j'en ai un. Silence non plus. Moi j'en ai un. Non, j'ai pas ça. Je peux faire que de la glace. C'est le sort clé de bras. Ou de l'eau. C'est bon, mon sort agit. C'est pas toujours hyper utile. Lance ton sort pour mettre le mur. Mais je pense qu'on se synchronise, c'est-à-dire quand je lance le mur, vous précipitez pour aller. D'accord. Le plaquer, bon bah on se tient, on va se mettre près de la porte, prêt à rentrer. Et toi tu lances ton mur. On fait ça. Comme ça, au cas où l'interruption, ça réveille les rats. Okay. On est quand même protégé en temps. Lee. Moi je rentre avec le flingue. Toi tu t'occupes de lui sauter dessus. Alors attendez, avant tout ça, j'aurais souhaité savoir si Lexi pouvait faire sa manœuvre d'apaisement sur moi parce que je suis un peu tendu là depuis qu'on est rentré dans la forêt et je me disais un petit peu d'apaisement pour que. Est-ce que c'est pas plus mal? Vous si êtes vraiment très appétissant, c'est ça que j'ai envie mec. De dire. Tu pourras lui manger un petit morceau, le mec. Oui, mais si jamais je panique ou il se passe encore un truc ou je suis un peu trop sous pression dans la baraque et que je commence c'est à attaquer. Toi qui disais tout à l'heure, si ça se trouve, c'est pas Amelin. S'il le bouffe. Oui, mais juste pour le maintenir, j'ai dit un petit morceau, pas en entier. Oui, mais bon, je peux aussi faire ça en maîtrise de moi-même. Oui, bon, allez, calme-toi. Le problème, toi, c'est. Ah. Oudou. Oudou bijou. Je pense qu'il faut qu'elle lance un dé, non? Ou je sais pas. Non. Oui. Ah, ça marche automatiquement. Ah, manœuvre, il y a pas de. Ah, c'est gratuit. Non, c'est bon. Enfin, il y a pas écrit jeter un truc. Hein. Non, c'est une manœuvre qu'elle peut utiliser comme ça. Est-ce que je me sens un peu apaisé? Apaisé. On sait pas. Effectivement, si elle utilise son apaisement sur lit, elle va te parler un peu calmement. Elle va te dire que tout va bien, qu'il n'y a pas de raison de paniquer. Y a pas de raison parce que moi je panique un peu là depuis tout à l'heure, j'avoue. Et elle va pouvoir t'aider à garder, mais il va falloir Lexi que tu lui parles régulièrement. Parle-moi de terre, fée dodo, Lily, mon petit loup.
ça m'apaise, mais ça m'endort, c'est pas le but. Bon, vous êtes prêts? C'est bon? On donne le top action. Allez, concentration, clé de bras. Yeah. Vous entendez soudainement une cloche? Non, calme. Ouais. C'est étonnant parce qu'il n'y a pas d'église à proximité. Il n'y a pas d'église à proximité. Ouais, mais c'est pas les heures. Ok, bon, passent, on fait le mur parce que là c'est minuit peut-être et ouais. Ça veut dire que ça va passer de jour donc je fais mon mur c'est et go. C'est les heures qui passent, ouais. Vas-y, non, il ça. Était déjà minuit nous, tout à l'heure. On se tient prêt avec Lee. T'as sonné et on... 3 coups. Il est 3h du mat. Certaines horloges sonnent les quarts d'heure. Échec. Oui, je fais un échec. D'accord. Ok, chouette, elle est contente, mais nous on est dans la merde. C'était un échec pas du mur. Ah, l'échec quand on utilise quand la magie. Les morts ne prennent pas de galons. Tu as fait le mur, mais derrière les rats. Malheureusement, elle les pousse vers nous. Tu as simplement réussi à faire une sorte de bruine, de brouillard givrant qui va rendre le sol glissant. Oh. Non. Pour les quand rats, vous c'est... allez essayer d'avancer. Pour nous aussi, merde. Bah, c'est un échec. Bon, alors. Normalement, c'était censé être synchro, hein, je vous rappelle. Hein. Peut-être. J'imagine que dans la cabane, il n'y aura pas le givre, donc on avance prudemment jusqu'à arriver à la porte. Et là. Pantre. C'est toi qui rentres en premier, Ellie. Histoire de lui déjà... sauter dessus. Mais déjà, est-ce qu'on a. C'est bon, on est arrivé, on a pas glissé? Quand vous avancez, vous avez réussi à pas glisser parce que vous êtes rendu compte, en fait, que les rats ignorent totalement votre présence. Ils semblent, eux aussi, presque assoupis. Quoi ? Ah ! Ok, très bien. Bon. Mais attends, on va peut-être s'assoupir. C'est un jumeau bénéfique. Ah bah peut-être. Bon. Je toque. Non, toque pas, tu ouvres directement. Ah non. J'ouvre la porte. C'est débarroulé, hein. J'ouvre la porte. On voyait rien vraiment par la fenêtre. Du coup, on s'étant approché, parce que ça aurait peut-être pu un peu voir où il est dans la pièce, tout ça. Ouais, il se baladait. D'accord. Ok. On n'a pas. Ok. Bah, je vais ouvrir. Hein. Il a peur de faire une conne. Donc tu ouvres la porte, effectivement. Bute là. Alors, tu allez, vois. C'est fini. Déjà, j'essaye de le repérer, quoi. Un homme aux cheveux et à la barbe blanche, mais au visage jeune, aux oreilles pointues, portant une tenue qui semble d'une époque bien lointaine. Ok. Pour le moment, il n'a pas l'air de faire attention à toi, il est concentré sur sa mélodie. Ouais. Brise-lui le cou, c'est-à-dire. Peut-être tu veux pas aligner un bon tir avec ton flingue là, ça doit bien la détruire. Y a des enfants autour ou pas? Ah oui, alors qu'est-ce qui se passe autour? Effectivement, autour de lui, il y a 6 enfants qui ont l'air d'être blottis les uns contre les autres. Qui ont l'air d'être endormis. Mais du coup, okay. C'est le. Ils sont habillés, son nom, de quelle manière? La lumière provient. Un petit feu de cheminée. Comme ils sont habillés. Bon, ok, j'essaye de contourner dans la pièce pour lui arriver dans le dos progressivement. Peut-être en me cachant derrière le mobilier. Je sais pas trop s'il y a un canapé, des trucs comme à ça. Pas de loup. À pas de loup. Pas de canapé. Hein. Il y a un petit établi, une table et 2 chaises. Ok. Je m'approche doucement. Limite, faudrait que les autres suivent, hein, parce que. Je m'apprête à soit tous là. À mettre en position pour protéger les enfants. En toi tu en termineras. Ok. Bon. Je fais pareil. Je m'approche. Là vous rentrez tous là. Nous on est rentrés. Moi je reste à l'extérieur. Ok. La musique s'arrête et soudainement l'homme fait face à vous. Malgré toutes vos prudences. Voilà une surprise. Je lui lance un charme surnaturel. J'essaye de le charmer. Et moi-même. Et tu dis. Allez. Ça a foiré. J'ai pris du galon. Sérieux?
Ah bah... Attends. Ah si, ça fait 7 tout pile. Mais c'est pas une super réussite quand même. Non mais au moins c'est réussi. C'est pas foiré foiré. Je l'ai peut-être décontenancé. C'est bien rare que je vois... des personnes autres que mes petits bambins... Ouais. Mais relâchez-les. Saison. C'est vous, Amelin? C'est moi. Tout à fait. Putain, c'est lui. Relâchez ces gamins. Ça fait bien longtemps que j'ai pas eu une conversation avec un humain ou... T'en fous de ce que je dis ou quoi? Quelque relâchez chose qui ressemble. Mais... Vous avez enlevé ses enfants. Mais pétez-lui sa flûte, putain. Mais t'avais qu'à venir, toi. Oh, mais ouais, enlever, enlever, non, je leur... les arrières, mais bon. Disons que je leur propose le choix d'un nouvel avenir. Oui, auprès de mon roi. Et on en parle de ceux qui sont morts et qui se baladent comme des fantômes dans votre univers, là. On en a croisé quelques-uns, effectivement. Ah, ça, malheureusement, il arrive quelquefois. Quand mon grand roi Oberon leur propose de devenir un des nôtres, de faire partie des élus, de rejoindre la race des elfes. Certains, parfois, refusent. Bon, Forcément, nous n'allons pas les renvoyer chez eux. Et, bien, ils nous servent quelque temps. Mais, vous voyez, les univers, les plans, les mondes sont capricieux. Et quand ils ne nous sont plus d'utilité et que la vie quitte leur petit corps frêle et menu, eh bien, il arrive que leur âme tente de retourner chez eux quand les frontières entre les mondes s'affinent. Et parfois, effectivement, quand je fais ma mission, eh bien, certains se promènent et tentent, en vain bien évidemment, de retrouver leur petit papa, leur petite maman. Bon, sa flûte, elle est Attends, où, là, actuellement? Il la tient dans la main. J'imagine. Il la tient dans la main, ok. Je lui dis... On sait que t'as été refoulé à l'entrée du royaume des elfes, espèce d'elfe raté. Et je tire dans sa main, du coup, pour essayer de lui péter sa flûte. En lui... Très bien. Bah, tirant dans la main. Faire une super et ben, un casser la gueule pour tirer. Ouais. Je me tiens prêt à choper la flûte, moi. Imagine c'est un peu pour ça qu'on est venu. Casser la gueule, c'est coriace, ça fait 0, donc ouais. J'ai 6, c'est raté. Ouais, je coche. Ouais, je voulais... En fait, comme j'avais l'impression qu'il mettait vachement de temps, parce que moi, l'idée, c'est quand on est parti, je leur avais dit, vous rentrez, vous le plaquez. Je vois qu'ils sont rentrés et je vois toujours la silhouette. Est-ce que je suis trop loin pour essayer d'envoyer des projectiles de glace dans sa tête ou il est plus à la fenêtre? Après, peut-être que le tir a fait diversion et que... C'est ce que j'allais dire. Tu peux essayer, effectivement, alors de ta position à l'extérieur, tu vas entendre un coup de feu qui ne touche pas sa cible. Et au moment où Linus tente, la main vive d'Amelin saisit une petite lame qu'il avait à la ceinture. Tu la jettes et tu te fais transpercer le bras qui tenait ton arme. Tu lâches ton pistolet et tu prends 4 points de dégâts. Ouh, oh la vache! Toi, t'es plus très bien là. T'es ah bah, je vais pas bien. Non. Je suis. Oui. La blessure saigne abondamment. Ah là là. J'ai bien vu que l'évolution du temps ne vous a pas amené à des méthodes plus civilisées. Alors, Ali voulait intervenir. Moi, je voulais intervenir au moment où il tapait. Bon, ça n'empêche pas qu'il ait lancé le poignard et tout. Mais justement, profiter au coup de feu de me jeter sur lui. Ok. Eh ben, tu vas faire un casser la gueule, toi aussi. Ah. Ou une autre manœuvre de... Donc, manœuvre de force surnaturelle, exactement, pour utiliser ma bizarrerie à mon avantage. Ça fait 8 plus 3, 11. 8 plus 3, 11. Eh ben, avec l'avantage de la situation, effectivement, tu as réussi à te jeter sur lui avec ta manœuvre surnaturelle dans un grand rugissement. Puisque tu n'entends plus la voix de Lexi, qui est un petit peu loin. Ah oui, je me suis un peu transformé. De toute façon, si je peux le laisser se déchaîner, il peut sur lui, du coup. Tu vas pouvoir... Oui, sa voix. Foncer, effectivement, sur Oberon. Et tu vas, la chose qui n'est pas courante pour toi, qui utilise plutôt tes griffes, tu vas le mordre. Et tu vas... Mordre lui la jugulaire. Limite, lui
arracher le bras qui tient sa flûte. Ah, il va moins bien jouer les accords en si bémol. Sa flûte tombe au sol. Sa flûte tombe au sol, mais toi, tu ne t'en occupes pas pour le moment. Ouais. Tu es toujours focalisé sur son bras. Et ben, moi, je me précipite sur la flûte pour la casser. T'es loin. Du coup, tu as... Non, mais j'étais venu... Non, t'es avec nous. T'es tous les trois dans la maison. Ah, pardon. T'étais là depuis le début. Tu vas pouvoir agir sous pression pour essayer... Je suis avec un coriace. Agir sous pression avec un... C'est cool. Cool, ok. J'aurais bien aimé faire de la force avec du coriace. 11 11. Et bien, avec 11, tu arrives à foncer, effectivement, à saisir la flûte. Et à la briser. Oh my god! En voyant ça, Hamelin se met à hurler. Il devait déjà un peu hurler parce que son bras, tout ça, non? Mais il était en prise avec toi, il essayait de s'en défaire. Prise de catch. Et là, il est pris d'une colère noire et commence à se jeter sur Lexi, mais soudainement, par la fenêtre, dans un bris de vitre, surgit cet étrange chat qui vous a parlé tout à l'heure. Il se jette entre Hamelin et Lexi, et soudainement, vous le voyez changer de forme, grandir, se transformer, et prendre l'aspect d'un autre elfe. Ah, donc moi je l'ai vu de l'extérieur, chat tu apparaît. Tu l'as pas vu, en fait il a pris à part. Il s'est matérialisé au moment où il sautait. D'accord. C'est Oberon. J'ai le bris de glace, j'entends le bris de glace en tout cas. Et tout en armure, il s'interpose. Il est clairement plus costaud qu'Hamelin. Il le chope, il le plaque sur la table. Il lui dit « Ça suffit, bouffon. Le roi t'avait donné ta chance de te racheter et de retrouver ta place parmi le royaume. Tu n'as plus de flûte. Tu as échoué. » À ce moment-là, il sort une énorme lame. Sans plus attendre, il tranche la tête du joueur de flûte. Ah oui, d'accord, ok. Ok. Ça, c'est je cool. lance. Okay. Je suis le loup qui lui a arraché le bras, mais j'ai quand même peur. C'est violent ce qui se passe. Moi, je me fais un jet de toubib. Pour m'occuper de mon bras. Tu vas pouvoir te rafistoler, effectivement, pendant ce temps-là. Ouais. Cet elfe en armure à la peau sombre de la maison, hein, se tourne alors vers vous. Donc, effectivement, Lizzie, tu as le temps de te rapprocher, de revenir. Ah, j'ai foiré mon jet. Je prends un dégât de plus. Tu prends... Un dégât de plus, ta blessure s'aggrave, mon cher. Ouais. Et par contre, j'ai fini de prendre du galon. Mais tu veux pas utiliser de la chance de temps en temps pour pas te décéder tout seul? Mais oui, c'est oui, clair, la chance. On les oublie. Ça, rien. On a gagné du galon. Moi, je vous fais des rappels à chaque partie. Après, mais c'est vrai, mais putain, la chance. À la première, j'avais pas été très clair. Non, mais on oublie aussi. Non, bah, du coup, j'ai pas fait. Du coup, j'ai 5 points de galon. Bon, faudra que je prenne un point. Bah, tu vas mourir, mais c'est pas grave, toi. Non, quoi, il me reste 2 PV, ça va. Le prochain, tu fais chance directe. Oui. Vous avez donc devant vous cet homme en armure qui vous regarde. Est-ce qu'il a l'air menaçant ou pas? Il essuie sur les vêtements de Linus sa lame. Hé hey. Et ils vous toisent d'une bonne tête, tous, même les plus grands d'entre vous. Enfin, non, je fais pas vraiment « Eh, je suis en train de perdre mon sang, je fais « Eh !» Vous pouvez pas mettre un pansement aussi, si c'est pas cool. Il vous regarde et vous dit « Il y a 1000 ans, Hamelin a voulu se croire plus malin que notre roi, a tenté de dresser certains elfes contre lui. Mais Oberon est un roi juste. Là où moi,
J'aurais opté pour une exécution simple et efficace. Il a décidé de le bannir en lui laissant néanmoins, comme le disent nos lois, une chance de regagner nos terres. Le peuple des elfes est un peuple mourant. Incapable de se reproduire, ne peut que transformer des humains pour essayer de continuer de croître. Malgré notre immortalité, nous sommes peu nombreux. Et notre roi voudrait agrandir le royaume. Hamelin a été chargé de cette mission pour se racheter. Pendant des siècles, il nous a amenés, chaque dernière nuit d'octobre, des enfants. Certains ont rejoint notre royaume, d'autres non. Aujourd'hui, vous êtes les premiers à interférer dans ces plans. En tant que juge, je me dois d'exécuter la sentence si Hamelin n'est plus capable de racheter son erreur. Mais en tant que juge, je ne suis nullement autorisé à juger les conséquences de les causes et conséquences de son échec. Ah. Je ne m'en prendrai pas à vous. Les enfants qui sont ici pourront retrouver leur famille. Très bien. Et tant que notre roi n'aura pas pris d'autres décisions, les elfes ne feront plus d'incursion sur vos terres. Parfait. Sans même vous écouter, après avoir fini sa tirade, il saisit la tête de Hamelin. Il traîne le reste de son corps et sort de la maison. Là, j'arrive sur ces entrefaits. On se croise, tiens. Nous, en tant qu'avocat, c'est pas parce que tu veux repeupler ton espèce que tu dois dépeupler la nôtre, quand même. Hein. Je crois qu'il nous écoutait déjà plus. Il est en train de sortir. Effectivement. Enfin, je lui crie quand même ça. Effectivement, il vous écoute pas vraiment. En plus, toi, et dans un gros, bruit de tonnerre, soudainement, il y a un flash qui vous éblouit tous. Ah ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Et vous perdez connaissance. Ok. Linus, parce qu'il a perdu tout son sang. Oui, moi ça commençait à. Oh. Oh, ça tanguait déjà depuis un bon moment. Ça tournait de l'œil. Vous êtes ensuite réveillé par les enfants. Les enfants ont repris connaissance et viennent vous agiter. Vous êtes donc tous ensemble dans cette cabane alors que le soleil commence à pointer au-dessus des arbres de la clairière. Il n'y a plus de traces du juge, il n'y a plus de traces d'Hamelin. Néanmoins, vous voyez au sol une flûte brisée. Vous voyez dans un des murs l'impact du tir de 9 mm fait par Linus. La blessure de notre jeune acolyte est toujours grave, mais pas autant que ce qu'il aurait pu penser. D'accord, il y a d'ailleurs toujours au sol la dague J'avais posé les questions. Qui l'avait dangereusement blessé. Je m'occupe de me refaire un pansement, cette fois-ci en utilisant un jet de chance. Je ramasse la dague après. Je me dis que c'est quand même un artefact à garder, potentiellement à analyser. La flûte aussi, peut-être. Ouais, moi j'aurais mis la flûte aussi, tout récupérer quoi. Ah ouais. Alors attends, la chance, faut d'abord que tu lances ton dé, et c'est si tu te foires que tu dis bah finalement c'est chance. Ah, c'est ça. D'accord. Et du coup ça devient un 12 automatique. Eh ben j'ai fait un double 1, donc oui, je vais utiliser la chance. Bon bah voilà, c'était justifié. Donc j'enlève 2 points de dégâts, je suis à 4 de dégâts. Enfin, je suis à 4 PV, quoi. Pardon. Et en prendre du galon, je vais... Alors, du coup, je vais prendre un point de cool. Ce sera plus cool. Voilà.
Enfin, je vais prendre plutôt... En fait, c'est dans les manœuvres, j'ai un truc qui s'appelle Imperturbable qui me dit gagner plus un cool. Mais j'ai aussi dans les améliorations gagner plus un cool. Alors là, il faudrait que je regarde ta fiche. Mais bon, je vais mettre Take Another Professional Manœuvre. On arrive à la fin de toute façon, donc tu auras tout le temps de réfléchir. Ouais, bien sûr. Ouais. Du coup, vous allez sortir doucement de cette cabane. Cette forêt maudite. Avec les enfants. Oui. Et alors que vous allez retraverser la forêt, eh bien, effectivement, tout est apaisé. J'espère qu'il y aura toujours mon lapin. Il n'y a plus de shérif, par contre. J'espère que mon camion est en bon état, quand même. Alors, le shérif, tiens. Oui, par contre, le shérif... Pourquoi il était réveillé, lui? Je te dis, il devait avoir un bracelet. Ah, peut-être, oui. Sally, elle l'a donné à tous ceux qu'elle connaissait. Peut-être qu'elle connaissait juste très bien le shérif. Oui, mais est-ce que ça... Enfin... Bah, on verra, on pourra demander à Sally, quoi. Ouais. Vous allez, effectivement, donc, traverser la forêt, revenir... à la foire. Les enfants étaient en fait des enfants des forains. Et ils vont se rediriger, alors que le camp est encore endormi, vers leur mobilhome, leur caravane, leur logement. Vous êtes, du coup, maintenant tous les quatre, au milieu de cette fête foraine encore endormie. Le soleil arrive doucement, mais c'est brumeux. On est le matin du 31 octobre 2005. On reprend le camion, on va voir au bar. Peut-être passer de nouveau par le centre-ville, voir, voir oui, si... Oui, bah c'est la route, hein, de toute façon. Il y a signe du shérif. Vous allez passer par le centre-ville, effectivement. Vous allez voir la voiture et un camion de pompiers. En train de charger un drap. Un corps sous un drap. Le drap est particulièrement taché de sang. Effectivement, à l'instant où le brancard est chargé dans le camion, vous verrez un bras glisser hors du drap avec ce fameux bracelet. Voilà. Non, mieux fait de pas donner de bracelet. Faudrait final, peut-être pas le dire à Juliette, ou est-ce que je me disais. Bah, c'est Sally hein, qui nous a fait les bracelets. Ah, ou Sally, pardon. Ouais, bah, c'était peut-être pas une bonne idée de le donner au shérif, du coup, ce bracelet. Bah ouais, mais elle savait pas. Hein. Ouais. On va pas lui dire que c'est à cause d'elle qu'il est mort. On lui dira pas, on lui dira pas. Voilà, on va éviter. Ouais, mais ce matin, que le fait qu'il soit éveillé. Ce matin, le bar est évidemment encore fermé. Néanmoins, vous pourrez vous rendre pour vous remettre des émotions de cette nuit au Liuskin Café. Vous savez que Kimimela fait l'ouverture dès le lever du jour. Ça veut dire que les filles dans le bar, elles avaient pas, elles portaient pas le bracelet. Ouais, c'est ce que j'allais dire, elle avait pas filé de bracelet aux autres, Sally, en fait. Le bar a été la première chose qui a été condamnée par les ronds. Ils se sont retrouvés enfermés dedans, en fait. Ouais. C'est juste nous, on a eu de la chance, entre guillemets, on est sortis juste au bon moment. Oui, mais moment, du coup, elles étaient éveillées à l'intérieur et elles l'ont pas fermé à clé, forcément. Non, c'est pas elles qui ont fermé, c'est les ronces qu'on... C'est les lianes, les ronces, elles ont tout envahi. Et du coup, elles pouvaient condamner l'endroit. Après, nous, on est restés un certain temps inconscients, ils sont peut-être partis à ce moment-là du bar, en fait. Si vous vous rendez, effectivement, au Liuskin Café, vous tomberez sur Juliette. Okay, bah on y va. qui vous attend là, elle aussi. Elle vous explique qu'effectivement, avec Savannah et Sally, elles se sont retrouvées enfermées. Elles ont tenté de détruire les ronces, mais ça repoussait plus vite que tout ce qu'elles pouvaient faire. Les griffes de Savannah, les forces de Juliette, toutes les techniques qu'elles ont tenté de faire, le feu, rien ne faisait. Et c'est que soudainement qu'elles se sont évanouies comme vous et qu'en reprenant connaissance, les lianes avaient disparu.
ne sachant pas où vous étiez. On réussit à tenir en tout cas le temps qu'on solutionne le truc. Ouais. Ne sachant pas où vous étiez, Juliette s'est donc rendue au Lucine Café, se doutant que c'était un des points possibles pour vous retrouver. Sally et Savannah étant elles restées au bar au cas où c'était le choix de vous retrouver. Ça marche. Je crois que vous avez encore sorti la ville d'un sérieux problème. Je crois même que, eh bien, cette fois, vous avez su vous débrouiller seul et même agir sur des choses que je n'avais pu anticiper. Je crois que vous avez beaucoup de choses à me raconter. Allez, je vous offre le petit déjeuner. Ah ouais. Je pense qu'il va falloir qu'on prenne une bonne nuit aussi parce que. Ouais, une bonne nuit, une tisane. Moi, je prends direct tisane, songe tranquille, nuit tranquille, apaisante, plus. La plus tranquille que vous avez des tranquilles. Et moi, la première chose que je vais faire aussi, c'est re-regarder ce bracelet que j'avais considéré de manière peut-être un peu précipitée la première fois. Et je vais le défaire, mais soigneusement, je vais pas l'arracher, je vais le défaire soigneusement. Et je vais le garder dans une poche, en me disant, ok, à sortir quand on est préparé. Pas à utiliser quand on veut passer une bonne nuit. C'est jamais. Bonne nuit pour toi, après, ça aurait été une moins bonne nuit pour les enfants, du coup. C'est pas faux, mais bien, vous avez... je me dis que le shérif, s'il l'avait peut-être pas mis, aurait dormi. Mais c'est pas grave, c'est Juliette. C'est pas Sally. Ouais, mais bon, elle va peut-être lui dire. Voilà, quoi. Non, elle lui dira pas. Faut que ça reste un secret. Eh bien, c'est sur ce moment de petit déjeuner, éreinté, épuisé, voire blessé. Oui, c'est vrai que j'ai encore des points. Hein. Nous allons nous arrêter là pour ce soir. Merci à toutes et tous. C'est cool. Merci. Merci beaucoup. Vas-y. Quelle merci ambiance. Autant sonore que storytelling, on va dire. Très chouette. De compteur. Et en fait, il va faire « C'était moi, Amelin. It was me all the time. Quoi ?»« Depuis 12 ans, c'était moi. » Et bah, je connaissais pas les contes d'Amelin, moi. Tu connaissais pas, ouais. Je connaissais Amelin, pas plus que ça. L'histoire d'Amelin, le conte d'Amelin. J'aurais pas senti. C'est inspiré du flûtiste de Amelin, notamment le rôle du joueur de flûte dans Le Loup-Garou. Qui doit envoûter tout le village pour pouvoir gagner la partie. Ça fait partie des bons contes traditionnels qui finissent pas bien et qui sont loin d'être heureux. Ouais. Lisez pas les versions récentes qui ont été édulcorées au fil du temps, c'est très... Et oui, à l'époque les contes ils étaient tous assez hardcore. Hein. Même ouais, bah, c'est des contes avec une vraie morale, on va dire, quelque part. Voilà. Et si vous êtes pas honnête et que vous payez pas quelqu'un... C'est des comptes pas disneyisés. Il peut se passer des choses pas cool. Bref, merci d'avoir suivi ce live. Merci Basile encore une fois pour ce mastering. Ah ouais. Merci d'être resté, on a un peu dépassé le temps prévu. On a un petit peu dépassé notre temps prévu. Merci encore une fois Ibilia, Image et Mayal pour vous être replongés à West Hill et dans vos personnages. Plaisir. La prochaine fois qu'on se plongera à West Hill, ce sera en 2024. J'ai pas de tease, à moins qu'on ait une petite session peut-être à Noël, je sais pas ce que t'as prévu. Noël, on fera probablement un autre jeu. Ah oui, c'est vrai, qu'on en avait discuté. Donc, on retrouvera Lizzie, Linus, Lee et Lexi en 2024. Voilà, pour de nouvelles aventures. Comme d'habitude, une nouvelle enquête. Et puis d'ici là, en tout cas. Et des nouveaux dangers. Rendez-vous lundi soir aussi, toujours sur cette chaîne, pour un nouveau JDR également, axé pour Halloween, sur un JDR donc slasher, où on va vivre ensemble un film d'horreur, de slasher, avec de très beaux invités,
La vidéo sortira demain pour vous dévoiler ça et on vous attendra nombreux et nombreuses avec un système maison qu'on avait confectionné en live et qui est très très cool, qu'on a très hâte de découvrir en jeu avec notamment Basile qui va faire partie des joueurs aussi. Cette fois-ci, on va inverser les rôles. Je vais jouer. Voilà. Et, ouais. Et puis bah je sais pas, est-ce que vous avez un dernier mot à dire chacun d'entre vous, chacun et chacune? La nuit des morts, sortez couverts. Ouais. Les bracelets d'Yves Blanc, c'est important. Ouais. T'as perdu ton lapin? Bah non, il devait être dans le camion, non? Il est dans le van. Non, mais c'est pour faire comme la petite fille qui disait j'ai perdu mon deux. Oui, effectivement. Est-ce que ton lapin était blanc? Parce que peut-être qu'il fallait suivre le lapin blanc. Ah, peut-être, je ne sais pas. Oh my god. Tout était dit. Bon, bah écoutez, voilà, on a changé un peu de d'ambiance. On a démarré sur notre même légèreté que d'habitude à la fête foraine. Ouais, c'est bien, c'est pas mal, je trouve, dans cet univers-là, de commencer sur un peu de la légèreté et puis du positif. Hop. Des hot dogs. Voilà. Des hot dogs. Prenez la réalité en pleine face ou prenez l'irréalité en pleine face qui vous ramène un petit peu dans quelque chose d'un peu plus dark. Donc non, c'était très cool. Merci beaucoup. Non, mais écoutez, plus avec on a un petit nouveau système pour le son aussi. Oui, c'était un peu chouette, un test là-dessus. Ouais, ouais. Ça a bien fonctionné. On est ça très content. Très très bien. Donc voilà. Alors, on va faire un petit raid. Hein. Restez présents, restez connectés. On va aller raider Ultima. Merci Verda. À tous les gentils messages du chat aussi. Hein, voilà, merci au chat d'avoir été présent. Mais... Merci pour les follow qu'on a pu avoir. Merci pour votre présence. Et puis, bah, si vous n'avez pas pu suivre entièrement la partie, eh bien, ce sera en rediffusion sur YouTube dans quelques jours. On essaiera de faire sortir ça autour de la période d'Halloween là. Et puis voilà, tout simplement. Alors, je prépare le raid pour Ultima Verba et on va pouvoir clôturer le live. Alors, en tout cas, on espère que ça vous a plu, vous aussi, sur YouTube, si cet épisode vous a plu, si cet épisode spécial, cette session spéciale Halloween vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker et à partager, évidemment, partagez le frisson, c'est important. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, d'ici là, prenez soin de vous, amusez-vous, mais n'oubliez pas... Les dés sont jetés, c'était donc Basilibilia, Image, Mayal et Goldie. On vous fait de gros bisous, à la prochaine. Bye bye. Ciao ciao. Tchuss.